Bonsoir. Comment ça va les petites calls UU là Et coucou Christine, coucou Inde, coucou Morgotte, coucou Jovan, coucou Théo. Comment ça va Bienvenue. Et merci beaucoup Christine pour ton resum Dis-moi déjà putain mais c'est ouf. Mais ça fait trop longtemps que t'es là. Comment ça va Ça va. Je suis pas en retard. Mon père me tenait la jambe au tel. Pas mal. C'est pas mal. C'est toi qui colle uu. Mais je t'emmerde Jovonne. Voilà c'est plein d'amour ici c'est plein d'amour. Je t'emmerde. Voilà. <laughs> Comment ça va Vous avez mangé quoi aujourd'hui L'école, depuis quand on est d'école nous Bah parce que euh, on est tout le temps, euh, tout le temps stick ensemble, bien sûr. Vous voulez que, attendez. Hop. C'était une manière de d'essayer de vous pêcher tous à la fois en fait. Il y a des gens bizarres qui vous sniffent. T'as dit ça au, pile, moment, au, pile au moment où j'ai mis Carl et Swisher. Pour information, je. Ah <laughs> Bref, tu sniffes ce que tu veux, tu <laughs> 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 McDo comme tous les samedis. Ah, trop bien. Euh, on te dit bonjour. Inde te dit, dit bonjour. Bonsoir. Et coucou une queen. comment tu vas Bienvenue à toi. Je me renomme Cléopâtre. Pourquoi ça tu Ah, pour la colle UU. Elle est pas mal. Attends, on va faire un petit... Bah, C'est le dernier samedi McDo. Ouais, c'est vrai. Après, tu vois ce que tu as prévu de faire. Bah, après, tu peux toujours faire les samedis McDo, mais euh, Burrits, tu vois. Des oeufs. T'as mangé que des œufs comme ça, genre cru directement avec la coquille même. On n'a pas peur ici. T'as pas la ref Mais non, mais Imdé, mais la, la colle Cléopâtre, tu l'as pas Merci, mais je t'en prie, je t'en prie, Johan. <laughs> c'est une autre marque mais Oui, c'est une autre marque, la colle Cléopâtre. Tu connais pas la colle Cléopâtre Mais euh, euh, Mais Imdé, enfin. Peut-être que si il dit la colle euh, lèvre d'or. On n'a dit pas de ça ici. <laughs> C'était ça Attends. Je vous montre. C'est ça les Oh Mais merci beaucoup, à Christine, pour, pour le sub gift offert à une Queen. Merci infiniment. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup pour ton soutien, Christine. Et d'ailleurs, les gars, est-ce que vous êtes au courant que dans trois personnes, on est 7000 sur YouTube oh Moi, je suis un peu intimidée par ce chiffre. On va pas se mentir. Coucou, Slazu, comment tu vas Bienvenue à toi Burking c'est meilleur. Euh, J'aime bien les deux j'avoue. Et ça va morgotte du coup Comment tu vas T'as mangé quoi aujourd'hui T'as quel âge Qui moi Non, Imde. Moi j'ai grandi avec la colle UU. Mais Imde t'es plus vieux que moi Comment tu peux avoir grandi Mais la colle Cléopâtre Et Moi je me cool souviens que la colle... Mais merci beaucoup <laughs> Merci beaucoup Christine pour le seul gift offert à Slazunette. Merci infiniment, merci infiniment pour ton soutien. Bien sûr plein d'amour pour Christine s'il vous plaît. On fait point exclamation Love dans le chat. Tu connais peut-être sans savoir, il y en avait souvent à l'école. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire à la maternelle, enfin euh, maternelle primaire. Je sais que tu as l'école Cléopâtre parfois. Et je me souviens des gamins qui mettaient des de la colle sur, euh, sur leurs mains. Et du coup, après, ils s'arrachaient comme ça. Parce que c'était marrant. Je faisais partie de ces enfants. Et, <laughs> et bonsoir, Nona, comment tu vas Bienvenue à toi. Merci beaucoup, mais de rien. Vous <laughs> cherchez une colle à sniffer <laughs> ah, Mais non, pas du tout. Non, non, parce que je les ai appelées les petites, les petites colles euh, UU. Et euh, du coup, euh, Joven veut être une colle Cléopâtre. Moi, ça va super bien, toi. Bah, ça va bien. Merci beaucoup, euh, Slazu. Merci, Bing. Hop. Est-ce que ça va C'est pas trop intimidant avec le, avec, euh, le Carly Whisper en fond Non, ça va Tout va bien <laughs> Bon, nickel. Alors, vous avez fait quoi aujourd'hui Et hier, surtout, qu'avez-vous fait hier Parce qu'on ne s'est pas vus. Les amis, on ne s'est pas vus euh, hier. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait moi hier Hier j'ai fait quelques petites choses quand même. Voilà, j'ai avancé sur, euh, sur le site. Je pourrais pas vous dire combien de temps prendra le site pour être publié, enfin, une bonne fois pour toutes, mais je ferai une vidéo premier quand ce sera fait. Pour l'instant, je suis en train de me concentrer sur la version mobile. Voilà, je suis en train de m'improviser euh, codeur, euh, développeur informatique, mais voilà. Désolée, je suis un vieux, j'ai 30 ans, donc moi l'école de la maternelle, comment dire, j'ai plus de souvenirs. Ah, mais c'était pour ça. Mais Cléopâtre, tu sais que mes parents ont connu l'école Cléopâtre. T'es vraiment juste. Euh, T'es pas avec ton temps, idée c'est tout. T'es pas avec ton temps. Racontez-moi tout, du coup. Comment ça va, Et votre journée mais... <laughs> pour Merci beaucoup, Christine, pour le sub-gift offert à Nona. Mais putain, mais tu rinces ce soir. Mais merci beaucoup, un, un maximum d'amour pour Christine, s'il vous plaît. <laughs> merci beaucoup, merci infiniment. <laughs> Je du là à me rappeler ce que j'ai fait la veille. Alors bon, euh, hier, tu as joué aux Sims. C'est de pré tu T'as travaillé hier. Je travaillais ce matin, je préparais ma pâte à pain pour demain. Ok, nice, bat trop bien. Eh ben, J'espère que, que ça se passera bien pour le boulot demain. Même pas. Ah ouais Tu travailles pas le vendredi Enfin, oui, non mais alors, euh, t'as été au travail, c'est ça que je veux dire. Hein. Travailler ne veut pas forcément dire avoir du taf à faire. Ma poubelle qui me rend dans les pattes, là. <laughs> plein d'amour, plein d'amour. Vous avez raison, plein de love. Regardez, hop, encore, encore un petit peu là. Hop là, voilà. <laughs> Et ben moi du coup, est-ce ouais, que je vous disais, hier j'ai travaillé sur le site, il y a certaines personnes du coup qui ont eu accès à deux trois pages du site en avant-première, j'ai notamment dû refaire toutes les traditions que j'ai faites à Soulani, donc j'ai dû tout réécrire, j'ai fait des onglets, machin, j'ai eu, la... eu des gros soucis avec la version mobile, et la version mobile c'était vraiment un enfer, en fait j'ai dû faire le double du travail quoi, normalement la version mobile j'ai juste à déplacer les trucs, tandis que là en fait j'ai dû tout refaire, parce que j'ai eu des gros soucis avec ça, c'était trop chiant, bon par contre George Michael t'es mignon mais on va changer. Voilà, j'ai eu des, des gros gros soucis, mais c'est fait. Genre la version, euh... donc la, la page des, des traditions à Soulani, que ce soit sur ordi ou sur téléphone, c'est fait. Ça c'est bon. Voilà. Après que je vois un petit peu comment je m'organise, j'ai aussi écrit une critique de Pâques. Enfin, euh, je compte rédiger vite fait, mais très vite fait, hein, les critiques de Pâques que je fais. Et euh, donc euh, celle sur euh, Il paradiaque, c'est bon, elle est terminée. Pareil, aussi c'est publié en version mobile aussi. Voilà. Tu l'as vu, j'ai dit que j'étais en week-end jeudi soir sur Didi. Il a pas que moi qui ai du mal à me rappeler de la veille. Tu l'as dit je me souviens pas. Tu l'as dit où, dans bavardage Je sais pas du tout. Où tu l'as dit. Je sais pas du tout. Où tu l'as dit. Et du coup, tout à l'heure, moi, j'ai fait le tournage de Space Goal et j'ai fait le montage du Let's Play. Voilà. Donc comme ça, demain, j'ai les machinimas à faire. J'ai bientôt terminé aussi la traduction du site The Sims 3. Donc ça, c'est chouette. Donc je leur envoie la traduction euh, normalement demain. Voilà. Et puis, euh... puis c'est bon, je pense. Hein On est pas mal déjà. On est pas mal. Je fais beaucoup de choses, en vrai. Je fais beaucoup de choses. Super, ça. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, en vrai. C'est grave cool. Donc, euh, j'ai quand même très, très hâte d'avancer sur le site. Comme ça, je pourrais vous le, vous le sortir au plus vite. Je pourrais vous présenter tout ça aussi. Voilà. Là où tu l'as rangé sans faire exprès, c'est-à-dire dans le meuble en haut, je mis en haut. Hein je mis en haut. Oui. Tu l'as vraiment mis dans le meuble, là je <laughs> je l'ai vu tout à l'heure en sortant la Voilà, voilà. Et qu'en est-il de vous, du coup Donc, moi, là, après le stream, je vais continuer la traduction, je pense, pour le site, vu que maintenant, euh, je pourrais, à la rigueur, m'avancer sur les machinimas mais j'ai pas envie d'empiéter en trop non plus, parce que moi, je me connais. Hein. Moi, je, je suis calée. Et donc, là, je me dis, j'ai du temps libre. Donc, au lieu que j'avance sur mon travail, autant que je fasse euh, ce que j'ai prévu de faire. Quoi. Voilà. Je dois voir ta vidéo sur ta partie perso, elle était trop cool. J'adore. Merci beaucoup, Christine. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ton petit commentaire. J'ai pas répondu, du coup. Dans le champ, Bavardage à 22h23, le jeudi 1er février, j'ai écrit Wouhou, enfin un week-end après une semaine de merde. Et t'as réagi avec un cœur et une, un emoji de danse. Loulou, je te rappelle que j'ai une mémoire à court terme qui, me, qui ne fonctionne pas. Je peux te dire ce que j'ai fait il euh, y a trois ans, mais je peux pas te dire ce qui s'est passé il euh, y a deux semaines. <laughs> Impossible. Elle était super, la vidéo de ta partie perso. Merci, c'est super gentil. C'est super cool. Non, je suis trop contente. Moi, je suis contente. Ça faisait très, très longtemps qu'il fallait que je la fasse. Et euh, j'arrêtais pas de réfléchir à comment est-ce que j'allais la faire, le concept, comment j'allais découper les parties, machin. Tatata, tatata. Et euh, au final, j'ai dit bah, écoute, Goody, euh, le seul truc dans lequel tu excelles, c'est le fait d'improviser. Donc écoute, on va improviser, on va faire au pif. Et du coup, j'ai fait cette vidéo complètement au pif. C'est bien ce que je dis, t'es comme moi. Ce que t'as fait la veille, ça s'imprime pas. Ouais, mais ce que j'ai fait il y a longtemps, ça s'imprime par contre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Hâte de la regarder, oui, je est toujours là et toujours à la bourse, un principe pas de soucis. Il ben, n'y a pas de souci, Écoute, on, on note, on imprime. Notez, s'il vous plaît, parce que moi je ne noterai pas. <laughs> je vais dire que je vais noter dans ma tête, mais je m'en souviendrai dans trois semaines. Euh, que je est toujours à la bourse. Voilà, regardez, on peut même l'afficher si vous voulez. Voilà, tu es sur le tableau d'honneur là. Voilà, allez hop, t'es sur le tableau d'honneur pendant deux minutes. Voilà. <laughs> Mais écoute, bah, et pas de soucis. Mais tu vois, genre, un truc tout con. Euh, la vidéo dure 20 minutes. Hein. C'est que la première partie. C'est que la première génération. Parce que, et encore, c'est vraiment, je crois, la première génération, c'est littéralement la partie la plus simple à expliquer. Alors, imaginez quand je vais devoir vous expliquer avec les tribrides ce que j'ai fait, c'est n'importe quoi. Je me rends compte que je suis comme un très vieux PC. J'ai pas de mémoire. Ouais, bah écoute, ça se fait, hein. On, sent, on, on vit très bien finalement avec ça. Après, toi, c'est normal, parce que tu es vieux aussi. L'affiche, mais complètement, euh, Joven. Complètement. Mais t'as dit qu'il fallait qu'on note. Donc euh, c'est un principe fondamental. Donc voilà. Voilà, voilà. Voilà. Je vous tape dessus, c'est terrible. C'est terrible. Ouf. C'est excuse éternelle. Absolument, absolument. C'est la vieillesse, C'est comme ça. Bisous. Voilà. Et du coup, ouais, euh, coup j'ai pu évaluer très précisément, faire le montage de Space Goal, mais juste, euh, juste le montage euh, du let's play, de la partie gameplay. Pour 50 minutes d'enregistrement, j'en ai pour une heure et demie. En sachant que j'ai coupé plein de passages et que j'ai... Euh, comment Et que j'ai... Euh, j'ai pas fait énormément de montage. Voilà. Je savais même pas qu'on pouvait construire sur Batou. En tout cas, j'apprends toujours plein de choses avec tes vidéos, c'est génial. Ah, merci, c'est gentil, Christine. Ouais, ouais, si tu fais euh, le, le, le code bb.enablefreebuild, uh, tu peux construire sur Batou. Enfin, genre sur les bâtiments existants, quoi. Genre euh, la cantina d'Oga, euh, le bâtiment du premier ordre et euh, le campement de la résistance. Sinon, oui, en effet, tu peux pas, con tu peux pas construire. Les tribrides, vous êtes pas prêts. J'ai le droit à l'explication plus d'une fois, j'ai toujours le cerveau en ébullition à chaque fois. Eh ben, bah, figurez-vous qu'il y a quelqu'un... Euh, sous cette vidéo, qui m'a mis au défi, qui m'a dit « t'inquiète pas, moi mes parties, c'est aussi pire que les tiennes ». J'ai dit « ta, 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 ta. <rire> Non, <rire> je t'assure que non, c'est pas aussi pire. <laughs> coucou tout le monde, ça va Et coucou Madame X, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Comment s'est passé ta journée T'as mangé quoi aujourd'hui Hop, j'ai vu le commentaire. Ouais, 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 la personne a dit, je cite... Euh, pas grave si tes histoires sont un peu compliquées avec mes sims c'est presque pire paradoxe temporel, multivers, technologie alien avancée expérience de pollinisation chelou, VG sims se buggy et du coup j'ai dit attends parce que vraiment à partir de la G5 ça va être très très long à raconter, t'es pas du tout prête, je crois que personne fait des trucs plus complexes que moi et il y a quelqu'un qui a dit <laughs> je veux voir une guerre entre vous <laughs> on a la commu qu'on mérite <laughs> moi en l'occurrence ma communauté elle, elle aime le drama apparemment <laughs> mais c'est marrant. Voilà, donc il reste officiellement plus que 3 abonnés. On est 7000 sur YouTube. C'est un truc de ouf, les gars. 7000. Je sais pas si vous vous rendez compte. <laughs> Ça fait beaucoup là, non <laughs> Ça fait beaucoup. Mais voilà. Voilà, voilà, je suis contente ouais, attends, on n'y est pas encore. On n'y est pas. <laughs> on n'y est pas, mais en tout cas, il reste quelques personnes. C'est chouette. Voilà. Voilà, voilà. J'ai mal à ma fausse dent en plastique, là, c'est pas agréable. Eh, hey, bravo, bravo à Madame X pour les 25, euh, 25 séries de visionnage. Félicitations à toi, regarde, je te clap. Tu vais m'abonner avec mes autres comptes si tu veux. Non, non, non Madame X, surtout pas ça. Voilà, vous vous abonnez pas avec plein de comptes différents euh, à des chaînes. Genre vraiment, faites pas ça parce que ça fausse les stats. Faites pas ça, vraiment. Le vent t'aime beaucoup, dit Ah, oh, merci, c'est gentil, Slazy. Une queen qui abandonne quand la cime tombe enceinte. Ah merde, à ah, courage. <laughs> courage. Moi, je me contente d'une famille avec euh, un enfant et demi ou un ou deux enfants à chaque fois. Un enfant et demi. <laughs> Genre la moitié d'un. <laughs> et sans occulte. Je fais pas le figure à côté de vous deux. Non mais moi. Euh, pff, vraiment l'histoire avec les, les, juste les hybrides. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. En vrai, ça se fait. Ça se fait. Bon, après, j'ai huit générations à hein, mon actif, hein, donc oui, ça fait beaucoup. Hein. Choisis entre le tronc et les jambes de l'enfant. C'est pas... comme dans le film. R. Genre, il faut. Euh, ça fait un demi-marc à Saint-Mout. Ceux qui n'ont pas la ref, ils sortent du stream. Reste dans le chat, mais j'aurais. a pas de soucis, Slazu. Et coucou salut comment tu vas Bienvenue à toi. T'as mangé quoi aujourd'hui c'est qu'elle n'a pas la rêve du demi marcassin à mout là Savoir qui c'est théo là. <laughs> Quel connard. Hein. <laughs> Où les Vasquez Oh mais j'espère que tu t'es régalé trop bien. La rêve mais comme je suis vieux je me rappelle plus trop. C'est euh, comment... Bah euh, quand euh, au tout début du film... Quand, euh, il, revient, euh, crois, quand chef, euh, il revient de l'appel, je crois, quand le chef, il revient de l'appel avec sa femme, il avait laissé tous ses enfants à la babysitter. Baby Et à la babysitter, du coup, euh, euh, elle dit Bon, alors. Enfin, euh, le, le, le chef, il dit Bon, je vous dois combien Et la babysitter, elle fait euh, euh, Bon, alors ça fait. Euh, euh, un euh, ça fait un marc à Saint-Moutre la journée. Et donc là, comme j'ai fait que cet après-midi, ça fait un demi-marc à Saint-Moutre. amis pour la, pour la vie. Et merci beaucoup, Christine, pour le sub-gift offert à Gaouna. Mais, mais c'est pas possible. Mais Christine est on fire ce soir. Mais merci beaucoup. <laughs> merci infiniment. Merci du fond du cœur. Mettez au pas, s'il te plaît. <laughs> comment ça va bah, Ça va bien, merci. Et toi, Gaouna, comment tu vas Comment tu vas <laughs> Voilà, voilà à la ref, ouais, bah voilà, c'est ça. Genre, ça, ça fait un demi marque à saint mout Bon, ok, bah... Ah, merde, j'ai pas de monnaie sur moi. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui rince ici. Oui, de ouf Merci beaucoup, Christine, merci infiniment. Merci infiniment. D'ailleurs, Christine, est-ce que t'es sur le Discord ou pas Parce que je crois pas que je t'ai mis en, en gros soutien. Je crois pas que tu sois sur le... Si, t'es sur le Discord Mais... Mes enfants, mais enfin, mes mais Christine, mais je ne t'ai point mis... Est-ce que tu as relié, euh, Christine, ton compte euh, Twitch à ton compte euh, Discord Enfin, ton compte Discord à ton compte Twitch. Tu vas dans les paramètres de Discord, tu vas dans euh, connexion et tu relis ton compte Twitch. Comme ça, je peux te mettre en gros soutien de la chaîne. Et tu auras, auras les vidéos en avant-première comme ça. Tu suis revenue et vu. Re shame Oui, de ouf, shame Très bien. Et eh ben c'est ce qu'il faut. Gabonata, manger quoi aujourd'hui Grave chouette. Au fait, pour information, si jamais vous prenez un, j'ai pris une petite décision de ma vie. Je vais aller voir ça. Il y a pas de soucis, Merci bien. Euh, j'ai pris une petite décision de ma vie. Si jamais vous êtes euh, vous vous êtes abonné, euh, mais vous savez les souscriptions payantes à la chaîne YouTube, vous serez automatiquement mis en gros soutien sur Discord. Parce que sur YouTube, euh, ça rémunère bien, bien plus que sur Twitch. Et aussi parce que sur YouTube, tu. Euh... En fait, le truc, c'est que de base, je voulais mettre les avant-premières pour tout le monde. Sur, euh, sur tous les abonnements Twitch. Le problème, c'est que il y a des gens. Euh... Enfin, le problème, c'est que pour moi, tu vois, c'est un teasing. Pour moi, c'est du soutien, tu vois. Le truc, c'est que. Il y a beaucoup de gens qui se font offrir les, les, les subs, tu vois. Et je me dis, genre. C'est pas juste que pour les personnes qui soient abonnées. Enfin, qui ne soient pas abonnées. Elles n'ont pas payé leurs subs et elles ont quand même les avant-premières. Alors que les personnes qui payent, enfin, qui ne payent pas, qui se font offrir les, 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 les subs, ont des avant-premières. Du coup, j'ai pris la décision que pour les euh, subs sur Twitch, tout dépend de la personne, pour les subs Twitch, euh, vous aurez des teasings et pour les gros soutiens, donc les personnes, je les sélectionne à la main, les gros soutiens, euh, vous aurez du coup les avant-premières. Et en l'occurrence, si vous prenez des abonnements sur YouTube, euh, je vous mets en avant-première. Voilà, parce que c'est moins, moins courant d'offrir et d'avoir des abonnements sur, sur YouTube. Et ça rémunère aussi beaucoup plus, donc c'est un plus gros soutien. Genre, franchement, à la rigueur, euh, sevez vous sur YouTube, quoi. <laughs> Genre, vraiment. À la rigueur, les gars. Des crêpes. Ah oh, moi j'ai mangé des pancakes. Trop bien, tu vois, on est ensemble, Gauna. Voilà. Donc, c'est chouette. Rappel 10% de réduction sur la boutique de Lofi Girl Shop avec le code Goodiesbye. Voilà. C'est plus rentable de se sub sur YouTube. Exactement. C'est plus rentable que ce soit pour euh, les gens et pour moi. Bah, en fait, je considère que comme moi, je gagne plus d'argent sur les subs YouTube. C'est logique que je vous donne plus de trucs, tu vois. Que pour les personnes qui sont subs sur Twitch. Après, si, après, si vous, sur Twitch, si vous prenez T2 ou T3, c'est différent. Si vous prenez T2 ou T3, c'est gros soutien direct. Voilà. Ouais, tu voudrais être sub partout Mais Imdé, il est déjà sub partout. Imdé, il me suit sur Patreon. Sur... Alors, Imdé, il est sub sur Twitch, sur Patreon, sur, euh, sur YouTube. C'est quoi la prochaine étape, en fait Bientôt, il va venir jusque chez moi pour me donner de l'argent. <laughs> prochaine étape un peu chelou. Ah, ce sub IRL, ouais, c'est ça. C'est ça, des abonnements IRL. Tu des super dons, c'est vrai, tu fais des super dons. Faut arrêter, hein. Faut arrêter un moment de rasser comme ça. Tu ralasses, hein. Tu ralasses. Comme disent les Jones. <laughs> Faut arrêter. <laughs> oh là là. Oh, J'ai vu une vidéo d'une euh, mamie, ça m'a fait mourir de rire. J'ai vu une vidéo d'une mamie qui dit euh, « Je suis une mamie de 88 ans. Bien évidemment que quand c'est l'anniversaire de mes petits-enfants, je ralasse. <laughs> » voilà, Ça me fait trop rire. Ralas, c'est rassé. Genre, ça s'écrit comme ça Attends, ça s'écrit comme ça Et ouais, genre, tu rinces. Genre, tu. Tu donnes, quoi, tu balances l'argent. Sympa les maudit dans le titre. T'as vu ça <laughs> Ah oui, toi, avec ton, ta nouvelle obsession pour David Bowie. <laughs> Moi, j'ai pas vraiment mangé juste de la crème glacée. Bon, t'as mangé déjà, c'est bien. Même si de la crème glacée, t'as mangé. Ah ok, ouais, voilà, tu vois, c'est la nouvelle expression. Euh... I am happy. <laughs> bon, tant mieux. Fais voler les billets de sang. Ouais, c'est un peu ça, ralasse. Ralasse, si tu fais une, ex une, une phrase pour expliquer le mot ralasse, c'est euh, genre. Euh, tu sais, quand tu fais ça. Voilà. Tu vois les magnifiques écouteurs que Woody porte en ce moment C'est bah, l'un de mes super dons avec Gilles. Bah, Gilles, là, actuellement, il est dans ma chambre. Il attend, de, il attend patiemment euh, l'été d'être allumé. Euh, c'est mon ventilateur, au cas où je vous le dis. C'est Gilles 2, <laughs> parce que Gilles 1 est mort. Enfin, Gilles 1 nous a <laughs> filé entre les pattes. Euh, oui, non mais euh, Indé, globalement, t'as tout offert. Il hein. y a son papy, à la mamie, qui fait des vidéos aussi. Ah ouais Je n'ai pas vraiment faim, et c'est euh, ça qui passait le plus. Non mais je comprends, je comprends. Par contre, je, la apprends. ça fait cinq mois qu'on te le dit, apprends vraiment à écrire ça, si c'est dit A. S'écrit pas S.A. Imdée t'as offert la vie. Non, sinon, idée je l'aimerais pas trop, tu vois. Si idée c'était ma mère, on s'entendrait pas de ouf. Tu vois. Parlant de, parlant de parents, il y a mon père qui m'envoie un message, il faut que je réponde. Envoyez-moi un DM sur Discord pour me dire réponds à ton père. <laughs> tu vas oublier. Je sais pas si je veux que ça non plus. Oui, en plus. Bah, t'aurais eu un enfant extrêmement jeune, d'ailleurs Imde, c'est ta mère et ton père. Alors, mon père est blond avec les yeux bleus. Ma mère est brune avec les yeux marrons. Euh, mais il euh, n'y a pas vraiment de ressemblance entre Imdé, euh, ni avec ma mère ni avec mon père. À part vraiment, peut-être, les couleurs de cheveux, couleurs d'yeux, quoi. Vraiment, ça s'arrête là. Imde qui m'a créé tout seul. Le dieu Imde. Oh là là, c'est pour ça qu'il me dit d'ailleurs il a le droit à toutes les avant-premières. Il me dit il a le droit à tout, il a le pass VIP pour la vie là, je crois. <laughs> oh les gars, dans les sims c'est possible, c'est vrai, c'est vrai dans les sims c'est possible. Les gars, les gars, euh, bonne nouvelle, j'ai ban sur YouTube un abonné. Euh, ça faisait genre pff, des mois et des mois qu'il était abonné à ma chaîne, je l'ai banne. Je me serais retrouvée dans la même situation que ma mère et ma grande sœur qui ont 10 ans d'écart. Ouais, c'est ça. Donc euh, c'est moyen. Ça fait toujours très peur quand tu dis ça. On a l'impression que ta mère, elle a, <laughs> elle a eu ta, ta sœur à 10 ans. Raconte. <laughs> eh bien en fait, non, 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 non. Mais alors contextualisation pour Imdé. Il parle de sa mère et de sa demi-sœur. Voilà. Sa grande sœur, c'est sa demi-sœur, la fille de son père. C'est bon. Non, il n'y a pas eu euh, d'histoire chelou à base de gamine de 10 ans qui tombe enceinte. <laughs> voilà, je recontexte. Alors, je raconte, genre, petit storytelling. Euh... <laughs> Alors, c'est un abonné. J'adore lâcher cette phrase comme ça sans explication et voir la réaction des gens. <laughs> c'est marrant, en vrai. Alors, cette personne, elle commentait euh, énormément de mes vidéos. Ok, genre vraiment, elle commentait énormément de mes vidéos. Elle était là tout, pratiquement tout le temps, machin. Enfin bref, vraiment abonné assidu, quoi. Et euh, ça fait quelques mois, enfin, ça fait quelques semaines que cette personne, quand elle s'amuse à commenter mes vidéos, ce c'est pas, pas des trucs très gentils, tu vois. Genre, par exemple, la première fois que cette personne, elle m'a pris la tête, euh, c'était euh, sous une vidéo d'une critique de Pâques. Oh, Tom, qu'est-ce que j'en ai parlé de cette histoire C'était trop marrant. C'était tellement jouissif <laughs> euh... La première fois que cette personne, enfin il y, y a deux semaines, la première fois que cette personne a publié un commentaire pas très gentil, c'était. Euh... C'est pour ça que j'avais fait d'ailleurs un scandale là-dessus. Euh, sous une critique de Pâques, je ne sais plus c'était laquelle, mais sous cette critique, la personne disait. Euh... Oui, alors par contre, on dit euh, item, on dit pas items. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai je ca... je, je, cassé les couilles lors de ma dernière critique à cause de ça. Donc, du coup, la personne. Donc... Elle donc, euh, voilà, sans plus. Donc, déjà, elle me saoule. Je dis, bah, excuse-moi. Moi, moi j'ai appris items comme en anglais. En l'occurrence, c'est comme en anglais. Donc, enfin, moi, je dis items, quoi. Salut, ça va C'est quoi tes pronoms Et coucou, euh, attends, à, à, Attends. Acheima. Est-ce que ça se prononce comme ça Est-ce que ça se prononce pas comme ça Si ça se prononce pas comme ça, je t'encourage à me reprendre. Et mes pronoms, c'est il et elle. Merci beaucoup pour ta question. C'est super adorable de demander pour mes pronoms. Et quels sont les tiens Surtout, n'hésite pas à, à te manifester. Ça remonte à deux semaines, c'est elle sur saison. Non, 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 oui, oui la critique c'est celle sur saison. C'est ça, c'est Acheima. Ok, d'accord, très bien. Je note, je note in my head. Euh, mais. Il y a eu un fight là, en savoir qui allait offrir le sub le plus rapidement possible entre Christine et Hinde. Merci beaucoup Hinde pour le sub qui est offert à Acheima. Du coup, merci beaucoup, c'est super gentil. Merci pour ton soutien. Keep it together, try to keep and staying alive. Absolument. Et coucou Big Blow, j'espère que tu vas bien. <laughs> Bienvenue à toi. Vous avez mangé quoi aujourd'hui à chez euh, Donc, euh, cette personne avait mis sous une critique de page. je crois que c'était Grandir Ensemble, je sais plus, c'était il y a très longtemps. Je, donc j'avais dit items, et cette personne me reprend en disant, oui, euh, on dit item parce que c'est du latin, on dit pas, du, on dit item en français d'abord. Et j'étais là en mode euh, fraté. Moi je dis item, parce que c'est également un mot anglais. C'est euh, un anglicisme, je prononce item parce que c'est comme ça que j'ai appris l'existence de ce mot. Donc nitas. <laughs> Bref, laisse-moi tranquille, tu vois. Et euh c'est pas cette personne commence à me casser les couilles en commentaire en mode oui, mais non, ça vient du latin, faut savoir s'exprimer à un moment donné. Bref, machin. Donc la personne Et me dit oui. Sont nos amis pour la vie. Merci beaucoup Christine pour le sub gift offert à Big Blow. Merci infiniment pour votre soutien, vous êtes trop gentils. Merci beaucoup. Le fight, le fight. Euh... Donc, euh... <laughs> non, en effet, c'est pas sorti. <laughs> en effet, mais bon. Donc, la personne commence à me casser la tête parce que oui, euh, on dit item, ça vient du latin. Euh, bref, voilà. Bon, cette personne m'a saoulée. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais en fait, c'est aussi un anglicisme. On peut aussi dire item. Lâche ma veste, tu vois. Genre, c'est bon. Au pire, passe à autre chose. On s'en bat les couilles, ça t'a pas plu. Genre, je sais pas.

Merci beaucoup, merci infiniment pour le train là. De... Ah, merci Anne Queen pour tes euh, trois cheers. Merci beaucoup. Et coucou c'est j'espère que tu vas bien. Bienvenue à vous. Ah oh, mais il faut que je fasse tout en même temps du coup. Midi des crocs monsieur. Et Camembert aussi, patate au four. Et ben, j'espère que tu t'es régalé. Big blow, trop bon. J'espère que tu que que tu euh, bah que tu t'es régalé. <laughs> La musique miel pas, Mais oui c'est trop bien. Le train va nous compter cette euh, va nous compter cette super explication d'items. C'est ça exactement. Regardez hop. Voilà. Et coucou Draven Slee, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Je rappelle que c'est la samba jusqu'à la fin du train de la hype. Vous avez 4 minutes pour agrémenter ce train de la hype. Si jamais vous le désirez, bien sûr. Bon, je vais baisser un tout petit peu, histoire de continuer mon storytelling. Mon storytelling, bien sûr. Donc, la personne me prend la tête avec l'utilisation du mot items. Donc, et coucou Tom, j'espère que tu vas bien. Et merci beaucoup, Christine, pour les 1000 cheers. Mais des zinzins, mais merci infiniment. Merci beaucoup, c'est super gentil Merci infiniment, merci beaucoup, tu m'as vendu ton âme. <laughs> merci beaucoup, merci infiniment, tout le monde. Tu vas bien, Tom T'as mangé quoi aujourd'hui Donc, cette personne me prend la, la tête, machin. Je lui dis que c'était un anglicisme. Donc, au pire, lâche ma veste, tu passes à autre chose. Tu vois, genre le mot item, ça te plaît pas, ça dégage. Tu vois, genre, je sais pas, euh, y a... la critique de base est plus intéressante que me casser les couilles parce que j'ai dit items, tu vois, sans plus. Bon, voilà. Après, la... Donc, euh, ça m'a saoulé sans plus. Voilà, il y a quelqu'un même qui est, vu... qui est intervenu. <laughs> Merci celui. Il y a même quelqu'un qui est intervenu dans, le... dans la conversation, dans les commentaires, pour me défendre en mode c'est bon, genre on s'en on en mal, tu vois. Genre lâche lui sa grappe. Effectivement, lâche ma grappe, tu vois. <laughs> Et euh, les... la personne continue de recommander mes vidéos, mais sans plus. Deuxième critique de pack que je sors. Items. <laughs> Qu'elle recommence cette personne. <laughs> c'est très perturbant de raconter une storytelling comme ça, un storytelling comme ça avec la samba derrière. Mais où oui, mettez mais, mais. Mais Tom Mais, mais t'es malade Mais merci beaucoup, Tom, pour les, pour les 2000 bits Mais merci infiniment, merci beaucoup Putain, ça fait quand même beaucoup de couilles, ça <laughs> Merci beaucoup Merci infiniment Je t'aime, mais moi aussi je t'aime, Tom, mais merci beaucoup, mais plein d'amour à tout le monde <laughs> mais vous êtes... vous êtes... Hey. <laughs> mais vous êtes filou dans vos têtes, vous, bon, faut arrêter un... Hein. <laughs> chou chou! <laughs> et donc la, la personne re-regarde re sous une autre critique de pack cette personne me refait la même enfin me fait pas la même me remarque mais me commande vraiment genre items mais tu sais genre Thames. Oh. <laughs> <vie. rire> merci Draven Slee merci Iblis pardon pour le sub qui est offert à Draven Slee et coucou euh, Iblis j'espère que tu vas bien bienvenue à toi comment s'est passée ta journée <laughs> mon twitch lag mais il est nul <laughs> merci beaucoup merci infiniment comment ça va du coup, comment Donc du coup, la personne commande vraiment genre A I T M S, mais tu sais genre. Je vais veux pas revenir à mon histoire, non. Mais mais Merci beaucoup Inde pour les 3000 les trois cheers, mais vous êtes fou. Merci beaucoup Tom pour les sub gifts offerts, je sais même pas, j'ai pas vu. Merci pour les soaps gifts offert à Babilis, à Smitourida, à Chachou, à Petite-Île, à Dina, à Ange, à Manon, à les rêves d'Amandine, à Yukio et à Nemesis. Merci infiniment, merci beaucoup. C'est la fête ici, wesh ouais, de ouf. Niveau 5 du train de la hype. Tididididididid... Comment on tenait mais arrête je peux pas terminer mon histoire merci pour le gift je t'en à Rame à Théo à Rita à attends je vais y arriver à Rita l'Italie à Mi, attends à, à Malissa et à Clément je vais y arriver merci infiniment merci beaucoup coucou obscur j'espère que tu vas bien bienvenue à toi comment s'est passée ta journée bienvenue <laughs> Merci beaucoup, euh, euh, Aichaima, pour ton follow. Je te souhaite la bienvenue parmi les petits potes. installe toi confortablement. Mets-toi bien. Qui c'est qui a pris un sub sur le Patreon Que je le tape parce que j'ai reçu une notif là. <laughs> je tabasse <laughs> Je peux pas finir mon histoire. Hein J'arrive, c'est le beau départ. Bah oui, mais en fait, il... <laughs> je crois que le but c'était non, Goody, tu ne termineras pas ton histoire. Hein Merci Christine! <laughs> merci beaucoup! Merci Christine du coup pour l'abonnement Patreon. Et bah du coup, Christine, je te mets automatiquement le gros soutien sur Discord direct. Merci infiniment, merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci Tom pour les subgifts offerts à Luna, à Kamia, à Misty à Lundici et à Bulle Perdu. Merci beaucoup, Anne Queen pour les 200 cheers. Merci infiniment, merci beaucoup à tous! Ce train de la hype ne va jamais s'arrêter. Niveau, niveau 8 Vous <laughs> vous rendez compte que ça fait 60 ans qu'on voit plus ma tête, là <laughs> Je passe en lurk pour la Star Starak, y'a pas de soucis, merci beaucoup à Cheima pour ton lurk. Des bisous à toi, merci beaucoup pour ton lurk, merci d'avoir été là en tout cas et euh, merci pour ton soutien, parce que le lurk c'est un énorme soutien, je vous rappelle. Merci infiniment, Imde, pour les subgifts offerts offer offer à Lowin, à Gabu, à Claire, à Eruline et à Madi. Merci Christine pour les subgifts offerts à Perline, à, à Celia, à Maloana, à Lyria et à Patf. <laughs> merci beaucoup, merci infiniment. Je fais la fête avant d'aller devant la star. Trek. Merci beaucoup, vous êtes trop gentils. Record historique pulvérisé du train de la hype, mais vous êtes des fous. Je fais chialer. Salagaton de bordel. Épilepsie sur... 20. Ah bah là, faut pas... Faut pas. Mais vous êtes complètement cinglés, mais arrêtez. Record, ça c'est parce que je suis la Britney parmi nous. Britney is parmi nous. Hey. It's Tom et bitch. <laughs> Merci infiniment. Je pas, garde tes minéraux. T'inquiète, j'ai de l'hydratation à côté de moi. Mais vous êtes complètement dingue, mais arrêtez. <laughs> je suis chialaxe et je peux pas finir mon histoire. <laughs> Merci, pour <épaule> l'hydratation. <laughs> je dis plus rien pour la peine Je suis punie. <laughs> <laughs> bon, bah j'ai compris, je mets plus fort du coup. Merci Anne Queen pour la commande. Samba do Brasil et mondial. Nourris ta plante, oui, de ouf, c'est bon, elle est pas encore. Eh, j'ai pas fini ma tasse donc je peux pas la nourrir encore. -la 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 -la. <laughs> merci infiniment. Merci beaucoup du fond du cœur. Vous êtes trop mignon. Mais non mais fonds du <laughs> Merci beaucoup, Christine, pour les 1000 bits encore. Eh, hey, faut, faut stop, là. Je vais chialer, moi. On arrête, hein. Parce que euh, je vais, vais me fâcher, OK. <laughs> merci. Mais vous êtes dans un. Mais arrête. Mais stop, là. Ah d'être triche pour filer de la thune à goût. Vous êtes trop gentil, mais, mais n'empêche, en vrai, il s'est lu. Pas besoin. Genre vraiment, juste le fait que tu sois là, c'est déjà un soutien énorme. Ah, je m'étouffe. Vous voyez ce que vous faites Vous m'étouffez. Oh là là, vous êtes fou. Merci infiniment, merci du fond du cœur, c'est trop gentil, genre vraiment merci beaucoup. Mais, mais Tom, stop Merci Tom pour les mille chers encore une fois. Putain mais vous êtes sans ans. On t'aime, merci, vous êtes trop gentil. Mais arrêtez. Je crois qu'en attendant, t'as raison. Euh, il se et lui quoi Merci beaucoup François. merci beaucoup Christine pour, la... pour le sub gift offert à François, à Cholori, à Ebox, à euh, wendalys et à Avin Studio. <laughs> merci Imdé pour, pour le sub... Putain, je vais y arriver, je m'en mêle. Merci beaucoup Imdé pour les mille cheers. J'arrête là, mais il faut passer le niveau 9, on est à un poil. Bah, merci beaucoup. Ça en fait des tasses de café, bah tu m'étonnes. Niveau 9, mon gars, mais vous êtes zinzin. Imdé vient d'obtenir le badge... Attendez les gars, deux secondes et je, je, remets, je, je remets le train, de, je remets la samba juste après. indé vient d'obtenir un badge 25 000 bits. Ça veut dire que Imd a dépensé oh. 250 balles de bits, genre pour moi depuis qu'il est. Je vais chier à l'axe. <laughs> Rien que ta tête, ça donne deux semaines. Mais où c'est On va jamais commencer ce stream. Ça fait pas mal de... Ça fait beaucoup de thubs, en effet, oui. Samba do Brasil, sensationnel. Samba do Brasil. Je t'aime, je t'avais dit que c'était une bonne journée. Merci beaucoup, mon Tommy. Merci infiniment, mais vous êtes trop gentil. Stop Faut arrêter <laughs> Vous êtes un à... faut arrêter. <laughs> Moi j'arrête, hein. chacun son, son taf. <laughs> bah, des bisous, des gros bisous à toi. Merci en tout cas, merci infiniment pour ta participation. Merci, merci du fond du cœur, genre, vraiment, vous êtes trop bims. On te change de ton abo à la con. De mon abo à la con Ah oui, oui, bah oui, mais du coup.

Bon, c'est bon là? I like trains. I like trance. <laughs> non, mais moi, du coup, je dis plus rien. Merci beaucoup, Inde pour le sub-gift faire à Seltanar, à l'eau à Maralis, à Eludi, à, à Vava, à Kiki, à Debbie, à la Maria Fleur et à Sila. Merci beaucoup. Coucou Lily, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. T'inquiète pas, je vais te faire un résumé juste après. On attend la fin du, à, du train de la hype et je te fais un résumé, Lily, pas de soucis. <laughs> j'espère qu'on entend ce que je raconte quand même, hein. Normalement, oui. <laughs> niveau 10, niveau 10 du train de la hype. Ça va et toi, ce midi, pas de carbo ce soir, euh, nous, il y a du chorizo. J'espère que tu t'es régalée Alicia. Mais du coup, Lily Rainbow, j'arrive. Pas de souci. je t'explique ça après. Je vais chialer. Je sais même pas que le niveau 10 était possible à moi non plus. Vous êtes trop gentils. merci infiniment. Je suis un bonhomme, je pleure pas, ok On est, on est viril ici. Coucou Miaouz, j'espère que tu vas bien à toi. T'as mangé quoi aujourd'hui J'aimerais voir ta bouille avant de partir, mais... Sambado, brasé. Niveau 10, c'est quand on a la commu qu'on mérite et tu mets vraiment goût... Bah non, mais stop là, là c'est bon, là trop d'amour comme ça, là et en plus là tu... Stop. Oh, mais arrêtez, je me suis allée... Je retiens les larmes, là je dis rien, mais je retiens les larmes. Merci beaucoup, vous êtes trop gentils, merci infiniment pour ce train de la hype, merci beaucoup. Genre tu me dises quoi. J'sais, apparemment je suis privée de parole. je pourrais même pas continuer mon histoire, je suis privée de parole depuis je sais pas combien de temps. Depuis une demi-heure. Merci beaucoup Théo pour ton sub gift offert à, à Elaitana. Merci infiniment, merci beaucoup. Il tombe de l'argent au de plein, mais non. Hein. Ne retiens pas tes larmes. J'ai pas la rêve, Tom. <laughs> J'en reviens pas que je rate ça. Bah écoute, euh, moi je dis plus rien. Les gars, on le fait pleurer. Je regarderai la rediff. Bah euh, ça fait 30 minutes que j'ai pas le droit de parler là, Théo. Hein. On est niveau 10 du train de la hype. Encore, le niveau 10 n'est pas complété. Hein. Là, on est qu'au niveau 9 officiellement. Oufi officiellement, on est au niveau 9. En fait, il faut compléter le niveau 10 pour que ce soit euh, considéré comme le niveau 10. Non, 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 il me dé Ban, ban <laughs> Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. <laughs> Ouah wow, la vache, c'est quoi ça y a pas... <laughs> Ta mère, elle est incroyable! Et coucou Véro! <laughs> Merci Mde pour le sogifte faire à Bois, à Seijin, à Nui Miami, à Mira, à, les les produits, à attends. Lira Crea, à Mirai, à Lily ou... Rainbow, à Kent, à euh, Monsieur p 2 <laughs> à Justice pour Melon ou pour Melon, je sais pas! Pourquoi t'as dit ça à Mais non, mais parce que genre c'est Tom qui a dit! <laughs> Merci Christine pour le sogifte à Nanouchka, à Mimi, à Manon, à Fucus et à Théo Potter! <laughs> <laughs> Jovan, pleure! <rire> pleure! <rire> On peut voir ton désarroi! <laughs> mais vous êtes des enfoirés! Vous êtes des enfoirés! Vous faites ça juste pour me voir chez les bande de gros cons! <laughs> oh, mais stop là! Oh, faut arrêter, hein! Oh! On t'aime, ok <laughs> Oui, pas bah, la preuve, l'amour dans la violence. <laughs> merci infiniment, merci beaucoup pour le, le niveau 10 du train de la ah, c'est incroyable. Ah. Merci beaucoup, vous vous rendez pas compte du soutien de ouf que c'est. Genre vraiment... Merci beaucoup. Le chat qui, qui danse alors qu'il se <laughs> est le de ouf. Mais vous êtes mais vous êtes enceinte, là, faut arrêter. Tiens, on va pas ta bouille de toute façon. Tiens, <laughs> si on va pas avec les, <laughs> les imos, tu peux laisser aller. <laughs> merci infiniment, genre vraiment merci beaucoup. C'est <laughs> tout le qui demande une cadence? Je fais la Mickey Dance sur le thème de la samba ou pas Coucou Victoria, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. <laughs> Est-ce que je fais la Mickey Dance sur le thème de la samba Genre, je danse comme, euh, comme dans la vidéo, mais euh, sur le rythme de la samba. Mickey Dance samba, c'est parti. Wow On te voit pas, fais pas la danse maintenant. Ok, je ferai la fête après, enfin, je ferai après alors. <laughs> Merci beaucoup Théo pour le seul gift offert à Jisuple. Moi, je dis plus rien. Merci infiniment. <laughs> Attendez, je peux couper les emotes pour l'instant. Attendez. Voilà. Là, je coupe les emotes. Comme ça, je peux faire. Tu pleures, mon chat, un peu. <laughs> attendez, je recommence. Attendez, attendez. Faut, faut que je la mette depuis le début. Je fais la. Qui c'est qui m'a pédé dessus Je fais la, <laughs> la Mickey Danse, mais euh, samba, ok Sur le rythme de la samba. Attendez. Hop, il va falloir que. C'est un setup, hein. désolé. On n'est pas riche au point d'avoir un bureau qui se lève. Et merci beaucoup Justine, pour Mélone pour Melon. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi parmi les potes. Allez j'arrive. Hop. Je fais ça avec vous Bon du coup vous aurez pas la Corée. Hein. D'habitude vous avez la vidéo mais là vous l'aurez pas pour des raisons évidentes. J'espère que mes écouteurs ça va aller. Allez vous êtes prêts Parti. C'est trop chiant! C'est trop chiant! Attendez! Attendez, pause! Pause! Avec les écouteurs, c'est trop casse-couille! Voilà, hop, je vais couper le micro du coup. Elle est éclaté cette Mickey ça <laughs> Oh, c'est nul! Oh putain, oui, je connais la danse par cœur! <laughs> putain, merci beaucoup! Allez, encore 30 secondes! 30 secondes! <laughs> encore 30 secondes! 10! Enfin 15! Oh putain! Merci infiniment, merci beaucoup. C'était un peu nul, hein <laughs> Merci infiniment pour ce train de la hype de ouf J'ai envie de roter. Ça m'a fait roter. <laughs> merci beaucoup pour ce train de la hype de ouf oh, Mais vous êtes zinzin Vous êtes complètement fou, hein Merci beaucoup Si je te fais des gros bisous à tout le monde aussi. Des gros bisous, mon Tommy Merci d'avoir été là Bisous tout le monde Tchou tchou Niveau 10 du train de la hype, putain, 8% du niveau 11, vous êtes complètement malades les gars. Oh, mais, mais vous êtes vous êtes complètement malades. Le train de la, le train de la hype quitte la gare de Twitch. Merci à tous. Ladies and gentlemen. Mais mais niveau 11. Mais non, mais vous êtes. Par contre, vous êtes cinglé, hein. Genre, vraiment. Pas Titanic après la scène. C'était l'instant émotion, ok Je peux faire mon petit discours. Genre. Mon goût d'idée, je t'aime. Je te donne dois... des gros bisous, Théo. Merci d'avoir été là. <laughs> Les portefeuilles des abos, rip. <laughs> merci, vous êtes complètement zinzin. Genre, vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup. Genre, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est un soutien de ouf genre vraiment vous parce que je rappelle du coup pour les personnes qui, qui savent pas qui sont pas au courant que je vis exclusivement de la création de contenu que de base euh, comment je, je gagne vraiment pas 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 un smic du tout hein. genre vraiment je suis très très en deçà de ça euh, les vrais savent <laughs> les vrais savent exactement combien je gagne par mois <laughs> voilà donc je, je gagne bien bien en deçà ouais quoi absolument. Je gagne bien bien dans de ça de euh, de enfin genre euh, je je, 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 je sais pas je survie parce que je vis mais euh, c'est à peine tu vois, c'est un peu un niveau dessus et genre vraiment vous vous rendez pas quoi. compte. Vous vous rendez pas compte à, à quel point c'est un soutien de ouf en fait. Genre vraiment, c'est un soutien de, de malade. Donc voilà, surtout qu'en plus euh, comment Surtout que, moi moi je suis pas j'suis, genre je gagne pas des... Parce que je vous dis je gagne pas des milliers des cents et tout je suis pas par... je suis partenaire avec euh... quand je... je suis pas je suis pas partenaire avec IES. je suis partenaire enfin vous voyez je fais pas partie des... de ces grosses personnes etc euh... moi j'ai que ma petite entreprise je donne 20%, de... De, 20 de tout ce que je gagne Je le Sav tous les mois tu vois, de base donc ouais. franchement genre vrai... bref j'arrive même pas à m'exprimer en gros merci beaucoup vous, vous imaginez pas à quel point genre chaque centime c'est tellement important pour moi genre vraiment vous vous rendez pas compte à quel, Vraiment, chaque centime, à quel point c'est tellement, euh, tellement important, parce que bah, c'est ce qui me permet de manger, en fait, voilà. Parce qu'il y a encore... Euh, euh, je vous rappelle qu'au tout, euh, tout début de tout ça, y, quand j'ai commencé Twitch, euh, je gagnais vraiment pas beaucoup, et euh, je mangeais à peine tous les jours, tu vois, donc... Euh, <laughs> voilà. Je gagnais, je gagnais, je, je pouvais à peine, on pouvait manger à peine un repas par jour alors qu'on était deux. Il y a eu des mois où c'était extrêmement compliqué, du coup, à cause de ça. Et euh, genre, vraiment, je vous en remercie, mais du fond du cœur. Oh my god. Voilà. Des, de, des tasses de café, des épinards et du beurre dedans, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais genre, vraiment, vous vous rendez pas compte Genre, c'est con, hein Mais depuis quelques jours, je peux manger trois repas par jour. Enfin, c'est des trois petits repas et je me nourris essentiellement de pâtes, tu vois, mais genre... Je, 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 je peux me nourrir correctement et c'est ouf parce qu'il y a quelques mois, ça c'était pas le cas. Et euh, bah aujourd'hui, je peux quand même. Même, même c'est con, hein, mais il euh, y a tous mes projets qui, fl qui fleurissent, etc. C'est en partie grâce à vous parce que bah j'ai le temps. Même si euh, de base, c'est pas très intelligent, il y a plein de gens qui vous le diront, hein, que c'est pas très, très intelligent de se lancer dans la création de contenu à plein temps quand tu. Quand tu en vis pas, genre en mode quand tu gagnes pas un SMIC, bah moi je l'ai quand même fait et au final vous me montrez que bah que j'ai bien fait d'avoir pris cette décision. Un mouchoir à Goody. <laughs> merci beaucoup Mirai pour le follow, bienvenue à toi parmi les petits potes. Je t'aime, tu sais tout ce que je pense. des gros bisous mon Tommy, bisous à toi, bonne, bonne émission. Tu nous apportes de la joie dans le quotidien, c'est c'est normal quand on te le rend. Merci infiniment, merci du, du fond du cœur. Et puis même, c'est ce que je disais, il se lue celui qui a gagné le badge gros soutien sur discord il n'y a pas longtemps euh, un soutien financier pour moi c'est pas je sais qu'on n'a pas tous les moyens de se permettre de soutenir des gens ou autres. tu vois surtout en plus bah enfin faut faut qu'on gagne de la, faut, faut tu l'argent c'est tellement précieux ben, en ce moment, tu vois. Donc, euh, je sais qu'on n'a pas tous les moyens de se permettre ça, et, euh, et c'est pour ça que moi, juste le fait d'être là, en fait, pour moi, c'est un, un soutien de ouf déjà de base d'être là. Donc c'est pour ça, par exemple, tu as des personnes comme Isselu ouais. ou comme Bubble qui sont passés gros soutien depuis un moment parce que euh, bah, ces personnes sont là, tu as pratiquement chaque live donc c'est parfait donc c'est pour moi c'est normal voilà ça peut, genre votre votre soutien ne passe pas que par l'aspect financier sachez-le parce que c'est aussi euh, c'est aussi tellement cool en fait d'être là tous les soirs avec vous même si à des fois j'ai pas envie j'ai la flemme je vais pas vous mentir <laughs> c'est tellement bien d'être là avec vous de me dire putain genre ce que je ce que ce que je fais ça en vaut la peine quoi genre c'est ouf je suis heureuse de faire partie de ta très belle évolution de ta vie pro merci beaucoup c'est très gentil et même si honnêtement honnêtement ça durera pas hein. genre je le sais parce que c'est. YouTube, ça ne durera pas longtemps. Genre, honnêtement, genre. Bon, voilà. Je sais que ça ne durera pas, mais même si ça dure pour 10 ans, même si, con... même si ça dure pour 5 ans, ben, je me dis, putain, genre. Je fais. Je... je crois que je suis le seul créateur de contenu en France qui a décidé de partir, parce que, genre, qui a décidé de, de faire de ça à temps plein, alors que je gagnais que 200 balles par mois, tu vois. <laughs> genre, vraiment. Je suis le seul gros con qui s'est dit, vas-y, on y va, on fonce dedans et on verra bien. Et au final, bah. Au final, maintenant, je gagne un petit peu plus et genre, je peux manger un peu plus. <laughs> voilà. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. T'as même passé Modo, donc oui, t'en fais, fais partie aussi. Mais oui, de ouf. De ouf. Non, mais si, c'est vrai. C'est vrai pour moi, un soutien, ça passe pas forcément par le financier, ça passe aussi, euh, surtout par euh, la présence, en fait. C'est un truc de ouf. On dirait, tu vas crever, arrête. Mais non, mais genre vraiment, c'est. Là, vous venez de faire une folie, genre vraiment, un train de la hype niveau 10, mais vous êtes complètement cinglé. C'est même pas ça, c'est que moi, j'ai les chiffres devant moi. Je sais, il y a combien d'abonnements qui ont été faits, je sais, il y a combien d'argent qui ont été dépensés en tout ce soir. Et, euh... Et c'est bête, hein, mais moi, juste ça, ça ce qu'on a gagné ce soir, là, c'est genre le tiers voire parfois à la moitié de mon mois, tu vois. Donc ça, je me dis euh, c'est con mais rien que là ce soir vous venez de m'assurer de pouvoir manger le mois prochain, tu vois. eu pendant si longtemps des relations avec des connards et là j'en fais trouver une communauté sympa, oh plein d'amour les loulous, on s'envoie du love. Voilà, genre vraiment vous vous imaginez pas à quel point c'est un énorme soutien même argent ou pas, hein, juste que vous soyez là c'est énorme, voilà. Et vous m'avez montré que j'ai bien fait en fait de d'y aller au culot et tant pis, tant pis si tu manges pas, genre vas-y, fais et voilà. Voilà, le mois petit serait très cher. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être là. Je, dis que je pleurais pas. Ah, j'ai dit, je pleurais pas. Je suis un bonhomme. On est, On est pas. <laughs> merci. <rire> voilà. <rire> Bref. <rire> On est viril. Vu que t'as une belle personnalité, ça va, ça va faire que grandir. Oh merci, c'est gentil. Mais franchement, je cherche même pas à grandir en vrai. Merci, je vois une présentation, j'ai plus de haut, ça tombe bien. Je cherche même pas à grandir en vrai. Moi, je veux juste rester là, tu vois. Je veux, je veux juste rester là, avec ma bande de potes, tu vois. On est là, on chill et tout. On fait de la merde et c'est marrant. C'est tout. Voilà. Bref. J'avais une storytelling à vous faire, moi, à la base. <laughs> avec mes yeux brillants, là. Non, vraiment, genre, vous vous rendez pas compte à quel point c'est un soutien de ouf. Genre, vraiment, c'est. C'est un truc de dingue, quoi. C'est ça qui est beau. Oui, de ouf. De ouf. C'est que vraiment. Euh... Bois tes larmes, tu pisseras moins. C'est horrible, c'est ce que tu viens de dire. C'est horrible. Attendez, je vais, je, vais, je vais boire. je vais boire J'allais dire, je, je, vais, je vais boire. De... La fin avec la beau tout moisi sur YouTube. Oh non, mais. Pas te faire grandir tout ce que tu, 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 euh, tu reçois va faire qu'augmenter. Non, mais oui, non, mais voilà ce que je veux dire, c'est que genre, je cherche même pas à, à gagner plus d'abonnés ou autre. Genre, je cherche même pas à m'étendre, on va dire, sur la Enfin, je cherche même pas à m'étendre. Moi, tout ce que je veux, c'est. Bah, c'est juste que ça continue, en fait. Genre, même si je continue, genre pendant 5 ans, et là, je, je, on est 1300 et quelques sur Twitch. Même si pendant 5 ans, je suis là avec 1300 personnes, vous êtes là, tu vois. Genre, euh... moi, ça me suffit. Hein. Genre, là, je sais pas, on est combien sur le, sur le stream, on est combien. Là actuellement sur le stream, parce que j'ai pas mes stats moi, actuellement sur le stream on est 28, enfin moi de ce que je vois. Donc honnêtement, moi on reste 20, mais même c'est con, on reste 10. On... 5 Même pendant 5 ans, ça me va. Hein. <laughs> Genre vraiment, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Moi je suis là, je suis bien. Mais euh, voilà. Bref, vous êtes incroyable, je vous aime trop. À votre avis, ce serait pas comme Jeanne-Masse, l'important n'est pas d'être heureux mais de faire quelque chose. Non, j'ai pas vraiment de devis, Trop humble Goody. <laughs> Coucou Raptor, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. En fait, en vrai, t'es triste pour le cochon un peu. Ouais, c'est ton cochon qui me fait pleurer. <laughs> on t'aime fort, si on est là, c'est pour toi, pas pour ton contenu. Oui, oui, non, mais le contenu est important. Je veux dire, si... Je suis pas d'accord avec ça, Alicia, Parce que si t'es là à la base sur le stream de quelqu'un, c'est parce que t'as découvert son contenu, tu vois. Si t'es là pour quelqu'un, c'est avant tout pour. Enfin, si, si, si t'as si atterri sur la chaîne de quelqu'un, c'est avant tout pour son contenu. Genre, honnêtement, dites-le moi très honnêtement, honnêtement, genre vraiment, pas de chichi entre nous, on s'en bat les couilles, d'accord si, euh, si vous me dites je fais de la merde, je fais de la merde. Très honnêtement, la première vidéo que vous avez regardée de moi, dans les dix premières secondes, si vous avez. Genre, en mode, si vous avez regardé que le début de la vidéo sans regarder l'intégralité de la vidéo, est-ce que vous. Même c'est con, hein, mais ma chaîne. Est-ce que vous vous seriez abonné à ma chaîne YouTube sans avoir vu une seule de mes vidéos Les gens qui me connaissent, IRL, ça compte pas. <laughs> on vient pour le contenu, on reste pour la mentalité personnalité. C'est ça, Jovan, c'est ça que je veux dire. voilà. En vrai, la chaîne que je regarde le plus sur Twitch, c'est zéro pour le contenu que je suis restée. <laughs> c'est trop juste sur la première vidéo que je me suis abonné. Oh, c'est mimes. Je mets longtemps à m'abonner à une chaîne, donc bon. Ouais, non, mais voilà, tu vois. Donc oui, c'est normal. Genre tu regardes déjà le contenu de quelqu'un avant de t'abonner parce que genre si le contenu te plaît pas, bah tu vas pas t'abonner à la personne. Coucou Ebachi euh, hey, Game, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. T'as mangé quoi aujourd'hui Vidéo YouTube Ouais ouais. J'te... YouTube. Genre YouTube. Euh, vous vous seriez abonné ou pas Genre sans avoir regardé une seule de mes vidéos. Pour être honnête, euh, j'aimais pas de ouf ta chaîne avant. Bah merci beaucoup pour ton honnêteté, celui. <laughs> Au final t'es là. <laughs> Au final, t'es là. Genre, Celui, ça se trouve, il prend que des notes derrière en mode euh, « Ouais, alors Goody's en fait, euh, voilà pourquoi il faut call out Goody's sur Twitter. » Maintenant, ça va. Juste ça va. Genre vraiment en mode « Je t'aime pas, euh, mais euh, tranquille, ça va, je te tolère. <laughs> » Il y a Saminou. <laughs> Une nouvelle sur les Sims, je regarde pas mal de streams, mais les tiens, j'adore. Ah, oh, merci, c'est super gentil. Moi, j'ai... Ça va, le micro, tu bouges tout seul, on t'a rien demandé, tout va bien. Lui aussi, il part. Il, part. il s'en va. Euh, moi, j'aime regarder tes vidéos YouTube, j'avoue. Mais c'est pas grave, t'as le droit. Certainement, non, c'est ta façon de parler d'être qui m'a fait m'abonner à toi. Tu vois <laughs> Merci, Merci pour votre honnêteté, vous êtes gentil en vrai. Ouais. Ça parle de quoi le live de ce soir Bah euh, on va. C'est écrit dans le titre, euh, bâti. Bah, on va partir sur euh, le reverse decade. Je me suis accroché à ton contenu et à toi euh, et jamais je vais changer, je vais changer ça. Je t'aime et j'adore le contenu que tu fais. Alors oui, je, je à réabois. Merci, t'es gentille, Slashu. Si moi, c'était un stream et ensuite je suis allée voir tes vidéos YouTube. Ce que j'ai aimé, c'est la qualité, la créativité de ouf dans les let's play. La qualité de tes critiques est sur stream. Euh, je suis restée parce que ce qui compte pour moi, c'est l'ambiance, les valeurs, l'absence de propos problématiques à la voix. Non, si moi, je suis très problématique en vrai comme personne, il hein, faut pas croire. Mais en vrai, je suis une personne ultra... Non, j'allais dire des... <laughs> des trucs, mais tu, tu vas le prendre au premier degré, donc non. Il n'y a que toi que je regarde sur Twitch. Oh, merci, c'est gentil, celui. Non, franchement, c'est ton l'esprit qui m'a fait rester, même si j'avais déjà regardé d'autres vidéos YouTube. Tu vois Finalement. Comme quoi, c'est le contenu avant la personne en vrai. Je ne me rappelle pas pour YouTube, je te suis depuis tes débuts sur Twitch, mais je te connais d'où du coup Tu me connais depuis l'échange, à Queen. Parce que moi, je me souviens sur l'échange, tu étais là aux premiers appels qu'on faisait sur l'échange, aux premières découvertes de pas qu'on a fait sur l'échange. Tu là cause des Sims. <laughs> J'avais kiffé ton frappe avec ton fracas ta baraque Ah ouais c'était bien, ça c'était marrant. Je m'abonne quand je trouve que le contenu est beau, il correspond à ce que je cherche, mais je me désabonne dès que je me sens pas en phase avec la personne. Ouais c'est pareil. Ça se voit t'es bon délire, tu me fais ah oh, c'est gentil, merci beaucoup. Non c'est pas vrai, en vrai je déteste les gens. J'aime je, je, personne et en vrai depuis depuis tout à l'heure je vous mytho et en vrai donnez-moi juste votre argent parce que en vérité on est tous riches, nous les streamers bien sûr. <laughs> je restais parce que t'es grave BG perso. Oh merci, trop mime, c'était trop gentil, merci. Vie, c'est vrai, donc YouTube, je pense, ouais. Ta personnalité, donc, peut-être. Après, j'ai découvert la personne derrière le contenu et je suis devenue le donateur fou. T'es devenu un don... mais t'es devenu un ami, surtout. T'es devenu un ami. Je fais, je hais l'humain. Je hais l'humain. <laughs> c'est suivi pour ta personnalité et pas pour ton contenu. Au tout début, finalement, je l'ai mis de côté. Ah, oh, merci, c'est gentil. Mais vous avez le droit de pas aimer ce que je fais. Hein. Vous avez complètement le droit, les gars. Ça va pas me... Ça, ça, c'est quelque chose qui va pas du tout euh, m'offenser. Hein. Genre, vraiment, vous avez parfaitement le droit de pas aimer hein. On met de temps en temps sur tes vidéos j'aime bien alors voilà. Oh, merci c'est gentil. Perso, je suis pas abonnée sur YouTube ni sur Twitch, mais de temps en temps je garde tes vidéos et je passe par là. Ok, mais pas de soucis. Bah t'as pas parfaitement le droit. Je te suis pour qui est qu en live de... En vocal de ouf, il celui qu'elle a juste pour faire des <laughs> De fou de fou. Non mais vous avez parfaitement le droit de pas aimer ce que je fais. Hein. Ça, je suis très très open avec ça et au contraire, genre ce serait très hypocrite. Mais en vrai, les créateurs qui sont là en mode ouais... C'est pas cool de dire qu'on n'aime pas, machin, mais euh, gros connard. Est-ce que t'es abonné à toutes les chaînes que tu regardes Est-ce que tu regardes 100% des vidéos sur lesquelles t'es abonné Non. J'ai vu ton évolution et je trouve euh, bah c'est fou de voir tous ces changements. C'est gentil, merci Madame X. Tu sais que c'est aussi tes tics que tu as que j'ai aimé C'est bizarre, mais dès que quelqu'un a quelque chose de spécial, ça m'attire. Ok, c'est très bizarre ça. <laughs> Comment ça, mes tics Je te déteste. Oui, moi j'aime personne. En vrai, tu fais que du Sims. Nope! Je fais. Euh, alors, je fais des Sims 4, des Sims 3. Euh, ouais, pour l'instant, c'est des Sims. Mais euh, je fais euh, aussi euh, Hogwarts Legacy, Minecraft, Disney, Dream... Disney Dreamlight Valley. Euh, et on fait quelques jeux indés de temps en temps. C'est un peu barré, j'adore. C'est pas vrai. Je suis pas barré. J'ai fait une vanne, mais j'ai pas de barre. Bon. Ah si! Oh, mais attendez, la vanne va être très longue! Hein. Bon, je vais monter sur ma chaise. Si jamais je meurs, vous êtes témoin. Ce sera mort en direct. Oh my god. Je vais non, c'est bon. C'est bon. J'ai pas, pas eu de tuer ma, ma chouette. Bonjour. Et du coup, on peut dire que je suis complètement barrée. <laughs> oh putain, tout ça pour ça. Ah Aussi long que. Oui, mon énorme bis Oh my god. On appelle le Samu, t'inquiète. Faut pas monter sur une chaise roulante, oui, je sais. Je sais plus comment je t'ai découvert, mais je pense que c'était une des vidéos où Goody écoute des, des trucs. Puis j'ai accroché de fou à la vibe de la chaîne. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qu comme tu dis souvent, on fait des bêtises. Mais de oui, ouf, on fait des conneries. Comme je t'aime bien, je regarde toutes tes vidéos. Même si à première vue, ça m'intéresse pas. Genre les arbres généalogiques. Oh, c'est gentil, merci celui. Mais t'as le droit de ne pas, euh, pas regarder. Hein. <laughs> les streams sur les Sims 3, ils sont sur ta chaîne de Rediff ou pas Car je suis en train de découvrir les Sims 3. Et des fois, avoir quelques éléments de base, ça fait du bien. Alors, Madame X, euh, les, les streams sur les Sims 3, ils sont sur la chaîne de Rediff. Il y a une playlist. Et en plus de ça, j'ai fait un let's play sur les Sims 3 sur ma chaîne principale. Eh, hey, mon sourcil là, me... messieurs les poils, il serait temps de s'organiser un peu là, merci. Comme tu dis souvent, on fait des bêtises, on kiffe ta chaîne pour ça de ouf. Pas le chez roulette. Envoie d'un tabouret en cadeau en cours. Il est là le tabouret, il est vraiment juste en dessous là. Il est vraiment. Attendez, je vous montre. Il est là. Voilà. <laughs> T'as risqué de mourir pour ça, je m'y oppose. Allez, c'est unfollow. Je vous ai fait une super déclaration d'amour, j'ai chialé en direct et tout, mais c'est pas grave. Écoutez, apparemment, euh, l'honnêteté n'a plus de valeur, apparemment. Bref. C'est pas grave. Non mais ok. Non mais je, je, OK. J'ai <laughs> plus trop dangereux. Best let's play of ever, celui des Sims 3, oui, ça veut rien dire, oui. <laughs> Drôle de marraine. J'aime bien aussi le côté hyper original de ta chaîne. Quoi que tu fais euh... Parce que tous les créateurs ont déjà fait et refait. Ouais, ouais, ouais. Non, moi, j'aime bien euh, me réinventer, voyez-vous. Genre, il y a plein de choses que j'ai que prévues, en vrai. qui sont super chouettes. Merci, euh, Anne-Claude, positivement. Bon, alors, euh, programme de la soirée. Je prends de l'eau. Je bois. Je vous raconte la storytelling, du coup, avec l'abonné. Parce que, bon Dieu, il va bien falloir que je vous la raconte à un moment. Et après, euh, pipi, et on commence à jouer. Est-ce que c'est bon pour vous Non, parce que là, on est... tectonique. Non. Ça arrive. Hum, hum. Est-ce que c'est bon pour vous <laughs> aussi deuxième best <laughs> Let's Play au favor. le pipi puis la boisson non la boisson puis le pipi que moi tu euh, j'ai moi j'ai un tuyau c'est tout moi je trouve qu'on aurait dû avoir droit à une danse tectonique après le discours c'est mort c'est archi mort jamais jamais vous me verrez faire ça je ferai ça lors d'un donation goal <laughs> mais sinon jamais vous me, vous me verrez faire ça never c'est archi mort Bon du coup, storytelling. Bois pendant que tu pisses comme ça tu gagnes du temps? Oh putain, mais il pisse, mais c'est un génie. Bon, storytelling, je sors mon agenda pour le denjing. Bref. Du coup, je reprends depuis le début pour les personnes qui n'ont pas suivi. Alors, aujourd'hui, j'ai ban sur YouTube un abonné de longue date. Donc, cette personne commentait très souvent mes vidéos. T'es sur le tableau d'honneur pendant 5 minutes. Allez-y. Jamais vous me verrez faire ceci. Je ferai ça pour un donation goal. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais un gros donation goal, par contre. Parce que moi, je danse pas la tectonique comme ça, genre, gratuit. Hein. C'est mort. <laughs> c'est mort. Genre, pour une assaut, par exemple. Je pourrais le faire. Mais c'est tout, c'est ça, le là. Bref. Euh, donc, euh, cette personne euh, qu'on va, euh, qu va appeler Gary... T'appelais pas Gary, hein. Mais bon, voilà. Cette personne qu'on va appeler Gary... Ça faisait plusieurs fins. Cette personne était abonnée à ma chaîne depuis très longtemps et commentait beaucoup de mes vidéos. Mais cette personne, vraiment, ça fait longtemps hein, qu'elle est sur la chaîne. Ça fait très, très longtemps que je voyais, etc. Ses commentaires, il n'y a pas de souci. J'ai oublié l'histoire du man. Voilà, alors. Euh, donc, Gary, de son, petit, de son petit surnom, de son petit euh, anonymat, on va dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à lui. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Escargot de Bob l'éponge. Je ne sais pas. Bon, c'est Gary, bref. Euh, donc, Gary... Euh, à une de mes vidéos, précisément, donc c'était une critique de Grandir Ensemble ou un truc comme ça, moi, dans mes critiques de pack, je, je dis le mot item. Gentil ou méchant, le gars Pas ouf. Je dis le mot item, donc pour dire un objet, un article. Je dis un item. Vous savez ce que c'est un item Jusque-là, tout le monde suit, il n'y a pas de problème. Bon, bref. Et euh, Gary vient me casser les couilles sous ma vidéo en me disant « Euh, par contre, euh, il s'agirait de savoir parler français, on dit item en français. » Alors, petite réponse à, mon, à ton commentaire, mon monsieur Gary, je t'explique. Item, c'est également un anglicisme, puisque c'est un mot qui est présent en anglais. Donc, du coup, j'ai le droit de dire item. C'est pas grave. La personne surenchérie. En disant « oui, mais non, euh, euh, ça vient du latin, donc on dit item ». Bien évidemment, cette personne faisait beaucoup de fautes à sous ses commentaires, hein, sinon c'est pas drôle. « Ça vient du latin, donc on dit item euh, d'abord. Euh, euh, là, il n'y a pas d'anglicisme qui tienne, machin, etc. » Donc à un moment, je lui dis « écoute-moi bien, mon petit pote, euh, moi, j'ai découvert le mot item en anglais, voilà, et en anglais, on dit item, et au pire des cas, tu vas dire le mot marketing, tu vas dire le mot start-up ». Tu vas dire, euh, je sais pas, tu vas dire, euh, tu fais un screenshot. Donc, me casse pas les couilles. Je dis item si j'ai envie de dire item. Au pire des cas, au pire. Non mais au pire, oui c'est ça, on dit comme on veut. Au pire des cas, c'était même pas ça le problème. C'est que la personne à l'arrière, tu vois, c'est con. Hein. Mais la personne, elle, elle, elle aurait dit, ah, oh, merci pour ta critique, machin, je sais pas. Euh, au pif, tu vois. Euh, au fait, euh, on dit item. Enfin, on dit item. À la rigueur, la personne aurait été, aurait été, je sais pas, machin. Mais là, ça n'avait aucun rapport avec la vidéo. Vraiment, juste avoir que j'ai dit item, quoi. Ça n'avait aucun rapport. Donc, la personne, voilà, oui, voilà, en mode gentil, tu vois. Mais même pas la personne, elle commente sur la chaîne. Enfin, elle commente la vidéo. C'est vraiment juste, elle me reprend sur item, quoi. C'est tout. Bref. Bon, heureusement, t'as quelqu'un qui est venu. Il euh, y a quelqu'un qui est venu en commentaire pour euh, sous ces commentaires-là pour me défendre. En mode, non, non, mais je suis d'accord, euh, Goody a raison. Genre, <laughs> c'est Goody a raison, tu peux dire item ou tu peux dire item. Genre, les deux vont et c'est très bien. Mais là, en l'occurrence, on s'en fout, quoi. Oui, c'est ça, on s'en fout de la prononciation. Mais bon, bref, donc du coup, le Lucie m'a pété les couilles, mais sans plus. Bref. <laughs> je crois que j'ai supprimé le commentaire, mais je suis même pas sûre. De toute façon, la personne est masquée sur la chaîne, donc je peux plus la voir. Bref. Et euh... bon, sans plus, la personne a continué de commenter quelques-unes de mes vidéos, en restant euh, tout à fait euh, correcte, aucun souci là-dessus. Et à un moment, j'ai ressorti une autre vidéo. Ça devait être sur la critique de Vie Orange, peut-être, ou je ne sais plus c'était laquelle. Et là, la personne. Parce que moi, je dis item, toujours. La personne commente. Je vais vous écrire. C'est plus parlant si j'écris. Voilà. Hop. Merde. Attends. Que je sache écrire correctement déjà. Voilà. La personne commente ceci item. <laughs> voilà. Mais tu sais, genre vraiment comme ça. Mais c'était juste le seul commentaire. Je sais plus si j'ai répondu à ce commentaire ou pas, mais je crois que j'avais dit en mode oui, ça change pas, c'est toujours. Euh... Non, 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 c'était fait exprès, Alicia. Genre, c'est item en mode pour se foutre de ma gueule, parce que moi je dis item et pas item. Voilà. Donc, continue à me casser les couilles avec ça. Voilà, bref. Sans plus, je sais plus ce que je réponds, mais bon, voilà. J'ai compris, oui, voilà. Et euh... donc, ça, c'était déjà la deuxième reprise, mais bon, bref, sans plus, je passe à autre chose. Et il y a une troisième critique de Pâques. Il n'y a pas genre en mode... Euh... Cette personne, mais je crois que c'était la dernière... Bah, je... ça devait être... C'était pas la critique sur saison, c'était celle d'avant. Je sais plus c'était laquelle. Euh, ça devait être sur Halloween peut-être. Je sais plus. Bon, y... je crois que c'était sur Halloween. Et là, cette personne, Gary, recommande, recommande en disant, euh, oui, euh... Euh, ah bah, ITEMS, on y est encore. Genre un truc comme ça. Arrête de me péter les couilles. Et vous savez, c'est quoi le pire je pense qu'il a ramené un pote à lui, c'est pas possible. Parce que sous cette même vidéo, trois jours après, il y a un commentaire de quelqu'un qui se fout de ma gueule parce que je dis item. Je pense qu'il a dû ramener son pote, c'est pas possible autrement. Et coucou Lucas, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Pire, tu Ouais, non mais oui, j'ai supprimé, enfin, je, je supprime, j'ignore, tu vois. Genre, parce qu'au bout d'un moment, c'était casse-couille, tu vois. Et, euh... Et donc, tu vois, c'était que des trucs très chiants comme ça. C'est pour ça que quand j'ai fait ma, ma critique euh, du pack saison, sous la critique du pack saison, j'ai mis un commentaire très clair, net et précis. Le prochain qui me reprend sur ma prononciation du mot item, il dégage. C'est très simple. Il n'y aura pas de... Ça n'ira pas plus loin, tu vois. Ça dégage. Genre, bloqué directement. Genre, jusque-là, je supprimais. Jusque-là, je supprimais. Là, ce sera... C'est ban, direct. Je cherche pas. Je prends pas la tête, moi, dans la vie. Hein. Je ne comprends pas les gens comme ça. Mais ils sont cons. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas d'objectif dans la vie pour passer leur temps à faire ça. C'est ça. Donc voilà, donc j'ai mis, donc j'ai bel et bien mis un commentaire épinglé. Coucou quoi okay. J'ai euh, je sais plus ce que j'ai mis exactement comme commentaire épinglé. J'ai mis, arrêtez de me reprendre sur la prononciation du mot item, je le prononce à l'anglaise car c'est comme ça que j'ai appris ce mot et j'en ai marre que sous chacune de mes critiques, au moins une personne me le reproche. Bref, je cherche plus et je bloque parce que ça commence à être relou. Voilà. Donc j'ai mis ça et le compte a repris je suppose. Non non non, 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 j'ai pas eu, de, pas eu de, de nouvelles de ce monsieur. Enfin de, de Gary, en tout cas, j'ai pas eu de nouvelles. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu. Rehacke. Ouais. <laughs> On te dit coucou. Il y a. Donc là, aujourd'hui, j'ai sorti une vidéo sur ma partie perso. Voilà. Donc, ça fait deux ans que je fais un legacy avec le pack Star Wars sur les Sims 4. Oui, oui sur les Sims 4. Et donc, du coup, euh, j'ai sorti une vidéo là-dessus. Pour expliquer, euh, pour expliquer euh, mon histoire, tout ça, parce que je sais que ça peut inspirer des gens. Voilà. Euh, parce que euh, lors, quand je vous ai raconté ma partie supprimée, ça a inspiré quand même. Enfin, euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des bons retours sur cette, euh, sur cette vidéo. Donc voilà. Bref. Je fais ma vidéo. Et donc j'explique mon truc et tout, comme quoi j'ai joué avec Star Wars et tout. Et là, je reçois un commentaire. En dessous, c'est écrit T'es mazo, smiley qui rigole. Et j'étais là. Hein, et du coup, je lui ai juste dit. Bah, je crois que t'as pas compris du coup l'essence de. Enfin, je crois que t'as pas compris l'essence euh, les de la chaîne ni toutes les vidéos que j'ai faites sur Star Wars du coup pour euh, dire ça. Ah. Jigo, bonne soirée. Y'a pas de souci, merci beaucoup et merci d'être passée, en tout cas. Des bisous à toi. Car la personne est Star Wars Non, parce que Star Wars c'est pas considéré comme étant un bon pack par la communauté. Donc du coup, euh, t'es genre ah t'es mazo comme ça, genre en mode ah c'est marrant. Bref. Et euh, donc, je lui ai dit, mais genre en mode, tu... je crois que t'as pas compris l'essence de la chaîne pour euh... enfin, en mode pour pour dire un truc comme ça. Enfin, genre, c'est pas très gentil, tu vois. Et puis en plus, en mode. Euh... Genre, au pire, c'est ma partie, quoi. J'aime suis... pas... juste ce pack. Est-ce que c'est le tien Non, enfin, laisse-moi tranquille. Enfin, je... C'était un peu désobligeant comme commentaire, tu vois, mais sans plus. C'était juste désobligeant. C'est tout. Donc, je l'ai juste repris gentiment en disant, bon, bah, je crois que t'as pas compris. Parce qu'en plus, toutes les vidéos que j'ai faites en disant que j'aimais bien Star Wars, cette personne, elle, a... elle les a commentées. Hein Donc. Soit as, toi t'es Dory, t'as un petit souci de mémoire, soit franchement c'est vraiment juste pour me casser les couilles. Donc bon, bref, au pire je le reprends parce que c'est juste désobligeant, c'est pas grave. Et c'est pas la personne me renvoie un message, ça a été la goutte de trop. La personne me renvoie un message en me disant euh, euh, oui bah c'est bon, euh, je regarde pas toutes les vidéos de ta chaîne, euh, le monde ne tourne pas autour de toi. Ah oh bah mon ami, moi qui de base hésitais à te bloquer depuis un moment. Dégage <laughs> ça jarte direct Je lui ai envoyé ça. Hein. <laughs> je lui ai envoyé écrit comme ça. Hop, ça jarte. masqué de la chaîne, c'est fini. Parce que sur YouTube, tu peux pas... Tu peux pas ban les gens sur YouTube. Tu peux que les masquer. Oh bah ça dégage. Hein. Je lui ai écrit ça. Hop, et directement masquer l'utilisateur. Fini. Hop. Surtout que t'as jamais forcé à jouer à Spac. Mais non Mais surtout qu'en plus je raconte ma partie. Je sais pas. Salut Natsu, j'espère que tu vas bien. T'as mangé quoi aujourd'hui, Natsu Trou de la personnalité, peut-être, je sais pas. J'ai le syndrome de la mémoire immédiate. Oui, de... non, mais euh... j'étais là en mode, mais monsieur, euh... enfin, faut se calmer un petit peu. Je sais pas si je peux, je sais pas si masquer l'utilisateur de la chaîne, ça le masque pour toutes les chaînes ou pour seulement la mienne. Je vais regarder, attendez, je vais fouiller un petit peu. Je <laughs> vais regarder. Hop, je vais aller sur ma chaîne de rediff et je vais regarder. Non, non, ça, ça masque vraiment pour tout le monde. Ok. Non, 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 ça masque pour tout le monde, je confirme. Ça masque vraiment pour tout le monde. Voilà. Attends, j'ai mangé de la raclette. Oh mais j'espère que tu t'es régalé trop bien, vive la raclette. On n'hésite on pas à mettre les emotes fromage dans le chat, bien sûr. Je suis sûre que aurais fait comme Afida avec la meuf dans ton, dans ton dîner presque pas fait ou à la random chez elle. Je vous souhaite oh un bon karma. <laughs> non mais vraiment J'espère que tu vas bien, excuse-moi pour le retard, c'est avec mon neveu. Mais y a pas de soucis, Cam. Comment tu vas Bienvenue, bienvenue. T'as mangé quoi aujourd'hui et du coup, euh, coucou Lucas, t'as mangé quoi toi aujourd'hui Donc, euh, donc clairement, c'est du cassage de couilles. Hein, mais vraiment, mais mais vraiment, je jure, genre la personne, je veux dire, là pour le coup, genre tu me fasses ce genre de commentaire en disant que je suis maso juste parce que moi j'ai joué avec un pad que la communauté considère comme ne pas aimer. Là, je veux dire, c'est un peu le commentaire de trop, donc je l'ai repris mais gentiment, tu vois, j'ai été gentil et tout. Puis là, ouais, c'est bon, euh, 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 je regarde pas toutes tes vidéos, le monde ne tourne pas autour de toi. Bah dégage. <laughs> Genre à chaque fois tu me fais des commentaires désobligeants et j'hésitais justement à te bannir depuis longtemps. Next, ciao ciao en fait, bisous. Genre à un moment on se prend pas la tête avec des gens comme ça quoi. Pasta saumon et salade d'endive. Eh bah, ben j'espère que tu t'es régalé mon petit mon p'tit Lucas. Très bien et toi, manger ton euh, riz au thon et crêpes. Ah bah trop bien. Grave cool Car moi aussi je veux bien merci. Moi je trouve ça intéressant, je connais pas du tout l'univers Star Wars, ça m'attire pas pareil pour la SF mais justement j'apprends des choses et je découvre des trucs, peut-être qu'un jour j'aurai envie de changer de mode de jeu. Mais non mais c'est même pas ça. C'est même pas ça C'est que le pack Star Wars... Je parle du pack des Sims, ok Le pack Star Wars est extrêmement controversé dans la communauté. Il est considéré comme étant l'un des pires packs de jeu. Ce qui n'est pas le cas. Il est considéré comme étant l'un des pires packs de jeu, ok Donc du coup, euh, force... Donc, du coup là, la personne... Moi, ça fait deux ans que je joue avec ma partie Star Wars. Là, oh, t'es maso Ça ptient Le pire pas que c'est alloué, je suis d'accord. Vive Star Wars, vive Star Wars, bien sûr. En plus, il a. Mais bien sûr En plus, il a commenté toutes mes vidéos, c'est ça le pire Tu fais du super voulu sur les vidéos en plus. Merci beaucoup Mais du coup, au départ, ouais, cette personne elle m'a cassé les couilles parce que je disais items. Donc déjà, frère, euh, commence pas à me parler de français quand tu fais des fautes à chacune de tes, à chacune de tes phrases. Voilà, merci. Certaines personnes adorent critiquer gratuitement, il faut dire, Ah non, mais c'est pas ça, c'est que moi. Je veux dire, avec mes abonnés, j'ai pas envie d'avoir d'emmerde, tu vois. Moi, j'ai pas envie d'être catalogué comme le type, euh, le créateur de contenu, mais médisant, tu vois. J'ai pas envie. Donc, du coup, moi, c'est de base. Je... Et le problème, c'est que j'ai le sang très chaud, ok C'est un énorme... Vraiment, c'est mon plus gros défaut. C'est quand je reçois des critiques, mais des critiques mal faites, ok Des, des critiques pas constructives et des insultes. Waouh, comment je me... Vous savez pas à quel point c'est un self-control de bâtard pour ne pas rentrer dedans et insulter la personne de tous ces morts. Tiens, vraiment j'ai je, je, un sang bouillant les gars, je suis vraiment j'ai un sang très très chaud. Mais donc je me reprends aussi, je me remets, je me remets comme euh, en, quand même en question et je me dis bon écoute si euh, j'ai mal interprété, c'est peut-être juste moi, tu vois. Je me, je me remets en question quand même, je suis pas con hein, j'ai le sang chaud mais je suis pas con. Sauf que là, tu me casses les couilles parce que j'ai pas prononcé items comme tu voulais. Et en plus de ça, après tu vas me dire, hein, t'es mazo Et quand je te reprends gentiment en disant que c'est pas très gentil, tu vas me dire, oui, bah c'est bon, le monde tourne pas autour de toi. Ça c'est du manque de respect. Donc déjà de base tes commentaires, je les supprimais et ça dégageait. Mais toi, tu te bloques, mon ami. Alors là, ça dégage, direct. Euh, je cherche même pas. Faut être cool dans la vie. Ah mais je suis très cool. En vrai, en vrai, moi je suis tranquille. Hein. Enfin, je le sens, je le sens très chaud. Genre, je, je, c'est vrai que je m'énerve. Je, je m'énerve pas au quart de tour, mais je m'énerve euh, quand il y a un truc qui est chiant. C'est que je suis énervée, quoi, vraiment. Quand je suis énervée, je suis énervée. Ok. Genre, ça, ça me saoule. pas bah, ça me saoule. Voilà. C'est pas, oh, flûte, ça me saoule. Non, ça, ça me casse les couilles. Point barre. Tu vois. Quand je suis énervée, je suis énervée. Mais. Euh, euh, mais je suis vraiment énervé c'est ça le truc. Mais là. Je veux dire, non. Je parie, c'est pour ça que je pourrais jamais faire de la création de contenu. Des patates dans la bouche de ouf. Moi qui habite à côté de chez toi, rappelle-moi de jamais te critiquer. non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est genre j'accepte tout j'accepte les critiques il y a aucun souci même tu vois tu euh, genre, tu me dis t'es en train de faire de la merde t'es en train de faire de la merde mais tu m'expliques tu me dis pas juste t'es une grosse merde pour me dire t'es une grosse merde c'est ça la différence genre si euh, je sais pas si, si Tom il me parle en me disant ouais t'es comme si t'es comme ça genre là franchement t'as fait le gros con ou un truc comme ça genre euh, là t'as été un enfoiré avec moi tu vois Osef, tu dis les mots que tu veux. Je n'ai aucun problème avec ça. Vraiment, exprime-toi comme tu le ressens, parce que moi, c'est ce que je ferais. Mais tu m'expliques. Me dis pas que je suis un fils de, 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 de chacal juste parce que je suis un fils de chacal, tu vois. Explique-moi en quoi est-ce que ma mère c'est une. Ce <laughs> qui est le cas. Est le cas. Euh, au moins toi, tu te remets en question les gens comme ça, ils le font pas. T es une bonne personne, pas eux. Je sais pas, après, c'est une bonne personne. Mais en tout cas, j'apprends à me remettre en question, tu vois. Genre, même si, je, quand je suis énervée, je suis énervée, c'est vrai. Mais je me remets en question. Genre, peut-être qu'il y a des fois, c'est moi qui ai, mal qui, qui, qui ai mal exprimé quelque chose. Et j'ai peut-être mal expliqué des trucs. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu me dis t'es une grosse merde. Bah non Là, oui, ça m'énerve. Et je t'insulte. Oui, ok. Par contre, tu me dis t'es une grosse merde parce que t'as fait ça, 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 ça. Et il y aurait pas fallu faire ça. Ok, bah dans ce cas, ouais, je suis peut-être une grosse merde, tu vois. <laughs> en effet. Critiquer sans argument, c'est débile. En vrai. Je suis complètement d'accord. Je suis tellement open aux critiques, mais pitié, mais expliquez-moi quoi. C'est bien, on peut te dire que t'es fils de ta maman, tu fais que le confirmer. Oui, c'est ça. Fils de chacal, ouais, ouais, je suis en fils de chacal, moi. Non, non, mais oui. Genre vraiment. Insultez-moi, je m'en fous, mais expliquez-moi en quoi est-ce que je mérite cette insulte, tu vois. C'est ça la différence. Moi, j'ai besoin qu'on m'explique. Hein. Je suis un enfant, les gars. Je suis un enfant. J'adore la musique. Ah, merci. C'est sur Spotify. C'est euh, Wake Me Up de Wham. Voilà. Non, 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 mais donc là, donc au bout d'une fois, deux fois, enfin, au bout de deux fois, donc première fois, je m'explique. Deuxième fois, je m'énerve, mais je reste calme. Je supprime le commentaire. Troisième fois, je supprime le commentaire et j'essaie d'oublier. Quatrième fois, tu fais, tu fais un commentaire désobligeant comme ça. Je te bloque. Ça dégage en fait directement. C'est pour ça que c'est l'humour, je ne me permettrai pas de te dire ça gratuitement. Mais en vrai, c'est ce que je dis. Genre, tu peux me dire. Bon, après, moi, tu, tu sais que tu peux insulter ma mère, ce c'est pas un problème. Mais euh, tu, genre, tu peux m'insulter, mais tu m'expliques en quoi est-ce que je mérite cette insulte, c'est tout c'est la bagarre, oui de ouf. <laughs> les gens, tu leur mets une baigne, ils font la roue, c'est drôle, ça détend. <laughs> non, moi je fais un 1m60, je, je les gars, comment tu veux que je... Non. Cinquième fois, je récupère ton IP, je recherche où t'habites et je te découpe en morceaux. Non, peut-être pas quand même. Non, non, peut-être pas quand même. Non, mais à un moment. Je... Il y a une nana aussi qui m'avait... Oh là là, storytelling. Il y a une nana qui m'avait euh, mis en mode... Euh, euh... Faudrait que tu fasses, enfin genre, je sais plus si c'était sous une critique, je crois, c'était le pack alloué. Le pack alloué, j'avais expliqué. Euh... Bah, du coup, moi, vous me savez, vous le savez, mes critiques de pack, euh... je dis à la fin si j'aime, parce que mes critiques de pack ne prennent pas en compte mes avis perso. Du coup, je le dis à la fin si j'ai bien aimé personnellement ce pack ou pas. De toute façon, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Mais euh... donc j'ai dit que euh... bah, juste, je savais pas quoi dire parce que juste, bon voilà, sans plus. Ou alors c'était le pack saison, c'était peut-être le pack saison. Et la personne commence à me dire « Ouais, euh, ce serait bien que tu fasses une vidéo sur... Euh, » Non, euh, non elle me dit vraiment genre en ordre « Ouais, fais une vidéo sur euh, pourquoi euh, est-ce que t'aimes est pas ce pack ?» Petit 1, bonjour. Petit 2, s'il te plaît. Petit 3. Bah, j ça fait 60 fois que dans mes vidéos, j'explique que je ne fais pas de critique de pack, enfin que je mets pas mon avis perso parce que ça ne sert à rien. Genre la vidéo dure 10 secondes. La vidéo dure 10 secondes en mode... Eh, euh, hey, j'aime bien ce pack. Fin de la vidéo. Genre vraiment, ça n'apporte ça ne, ça ne rien en fait de faire ça. Donc bon, bref, sans plus. Et euh, donc du coup, je lui explique, mais gentiment. Et il me dit, oui, euh, bah j'ai jamais vu euh, un créateur de contenu parler à ses, abon à ses abonnés comme ça. Euh, bah franchement, tu me reverras plus ici. Genre, t'as pris la grosse tête. Et j'étais là en mode, mais tu te rends compte à comment tu me parles Genre t'es peut-être au moins le cinquième commentaire de la journée que j'ai comme ça. Oui, à un moment, il faut savoir réfléchir quoi, avant d'écrire. Genre vraiment, genre stop quoi. Et au bout d'un moment, la personne, bon, on s'est expliqué, etc. Ça s'est arrangé. Genre tout va bien. Finalement, voilà, la personne, elle a compris que c'était pas ouf ce qu'elle avait fait. Voilà. miaou Pauvre à euh, à son âme pour le chanteur qui est décédé. Oui. Courage. Tu mérites aucune insulte, mon goodie. T'es un jeune formidable. Oh merci, t'es gentil, euh, cam Juste, je suis c'est ça. Ça fait longtemps que je dis Goody a pris le melon. Oui, de ouf, moi j'ai pris un énorme melon, hein, mais genre vraiment... Ouh Une tête, mon gars, des chevilles. <laughs> oh non, mais pour, pourquoi vous croyez que j'ai besoin de 5 minutes pour aller pisser Parce que, euh, genre, le temps de me déplacer, tout, c'est compliqué. Hein. Non, non, mais c'est qu'à un moment, euh, voilà. Moi, de base, je veux... Je veux pas faire partie de ces créateurs de contenu qui sont des gros cons avec leur communauté. Je veux pas faire partie de ça. Mais c'est qu'à un moment, bah c'est bon, quoi. À un moment, ça dégage, quoi. Voilà. Franchement, ça c'est vraiment le truc, genre j'ai rien à me reprocher. Si je dégage quelqu'un, c'est que la personne s'est mal exprimée ou que la personne vraiment euh, n'a pas été correcte en fait. C'est bon. Moi, moi je considère de. Non mais de toute façon, vous le savez, le nom de la communauté c'est les petits potes. Les petits potes, on est entre potes, tu vois. On n'est pas amis non plus, parce que pour la plupart, enfin pour la grande majorité, on ne se connaît pas personnellement. Mais on, on est potes, tu vois. Genre, c'est on, on comme les potes qui traînent dans des bars, tu vois. Genre, on est là, tranquille, on se, retourne autour, on se retrouve autour d'un café. En l'occurrence, c'est les sims, tu vois. Mais on est tous là, dans notre canapé, on papote ensemble, tu vois. Et vraiment, c'est au calme, c'est tranquille. C'est tranquille. C'est des potes, voilà. C'est des potes. mais Et là, tu vois, et t'as une notion de respect entre potes, tu vois. Genre, en mode, c'est zen, c'est tranquille, on se respecte tous. Là, il n'y a pas de respect, tu dégages. Ça dégage. Merci, bisous. Les gens comme ça, on les met en prison avec un parent qui leur apprend le respect sans déconner de ouf. On se boit une vodka devant l'île Ouais, c'est ça, genre de fou. C'est tranquille ici. Hein. Faites ce que vous voulez, hein. C'est sincère, merci, c'est gentil. Moi je te déteste, mais bon après, chacun son avis. Oui, non mais après, t'as le droit de me détester, Lucas. Mais c'est un C'est une haine un peu maso quand même, C'est une haine un peu maso, du coup. D'ailleurs, j'en peux plus des lives, des gros YouTubeurs sims, genre les commentaires, il y en a 10 par seconde, ils servent à rien. On fait quoi Bah, lis le titre en douille, tu parles trop. Bon, bah, écoute, je vais aller me coucher, toi, va bien te faire. Ah ouais Bah, après, le on fait quoi Ça, c'est ce que je dis, il hein. y, a, y a des viewers qui sont passifs. Hein. Les viewers fainéants, c'est les viewers qui ne lisent pas la catégorie de jeu, qui ne lisent pas le titre du stream, alors qu'il y a écrit dans le titre du stream ce qu'on fait. Voilà. Euh, genre. Ça, pour moi, c'est des viewers fainéants. Donc, ça, pour le coup, moi, tu me dis, on fait quoi Bah, je te dis, bah, lis le titre. <laughs> genre, ça, oui. Par contre, genre, le parle trop, euh, non. Enfin, justement, c'est fait exprès, genre, un live, t'es là pour euh, parler. Enfin, je sais pas. Logique. Non, il n'y a que moi qui. Non, parlez pas sur les lives, c'est pas bien. Vous avez plus le droit à la parole, vous êtes puni. Vous m'avez fait chialer tout à l'heure, vous avez plus le droit de parler. Hop, bisous, ciao. <laughs> le chat mort. J'ai pas lu, moi. <laughs> de quoi Salut, t'es qui Tu fais quoi aujourd'hui Chut, on regarde, ça me irrisse les poils. Mais c'est pas ouf. Tu parles trop, le com' de la mort. Mais oui, de ouf Enfin, genre, le salut, t'es qui Bon, ça, je veux dire, c'est un peu désobligeant, mais apprenez à lire une bio, c'est pareil. Genre, on, 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 on se fait chier à faire des bios et tout. Genre, lisez, tu vois. Euh, c'est pas pour décorer, mais. On fait quoi alors que c'est écrit dans le titre Oh, je vous je repasserai peut-être euh, plus tard. Je pense que vous n'aurez pas commencé le River ici là, de toute façon. Si là, on va commencer. Je vais aller faire pipi et après on commence. Théo. <laughs> non, mais oh, c'est trop, hein. C'est trop. On fait quoi, Goody On boit pour oublier. <laughs> de ouf, on boit pour oublier les gros cons. Voilà. Au fait, euh, Lucas, du coup, Lucas, t'as tout loupé. Oh là là là, là mon petit Lulu. <laughs> mon petit Lulu. Ah, je crois qu'il euh, qu y a quelqu'un qui s'est senti visé dans, dans, les dans, dans le live parce qu'il y a quelqu'un qui s'est désabonné de ma chaîne YouTube. J'ai eu une notif. Euh, euh, comment Tu as loupé, Lucas, le train de la hype le plus exceptionnel de la vie. Ils m'ont fait un niveau 10 train de la hype, c'est gros con. Niveau 10 train de la hype Ouais, ouais, niveau 10 train de la hype. Il y a eu une battle entre Christine et Imdé, savoir lequel allait plus me rincer. Voilà. Et, euh... et on est bientôt 7000 sur YouTube. Encore trois personnes mais on est 7000. Voilà. Une espèce de quiche Lorraine, remettons en question, on va critiquer mon petit Goody. Eh oh, par contre, insulte pas les quiche Lorraine, Cam. On fait pas ça. T'es cru aux de poireaux. Je suis sûre les, per les personnes qui te critiquent sans argument, ils sont la plupart mineurs à mon avis. Tu serais surpris. Tu serais très surpris, Natsu. Je suppose que ton pronom c'est il. Tu serais extrêmement surpris. <coughs> Genre il y a énormément. De... Au contraire, j'ai l'impression que franchement, plus t'es majeur sur ma chaîne, plus t'as tendance à m'insulter plus facilement. Il y a pas longtemps, j'étais sur un live, il y a quelqu'un du chat qui a dit à la streameuse tais-toi. What the fuck. Donc c'est quelqu'un qui était sur le stream. Je fan boy girl qui s'assume pas. Je sais pas. Perso je sais que mis à part sur le live de Gucci, j'ai du mal avec les streamers qui passent 3 heures à parler avant de jouer. Dans ce cas, je viens plus tard, comme ça je sais que j'arriverai quand le streamer jouera. Mais je fais pas chier mon monde parce que le streamer parle. Bah ben oui, de ouf! Ou de la jalousie m'a placée, j'en sais rien. La plupart des commentaires méchants sont faits par des grands majeurs Oui. Oui, oui, c'est ça le problème. C'est terrible. Et coucou, les grosses patates, coucou Tom J'étais des cons aussi. Ouais, ouais, des, des cons, mais qui me sont majeurs. Genre, je vous jure que c'est vrai. Les personnes qui sont mineures sur ma chaîne, je ja, crois que j'ai jamais eu de problème. Hein. En, tout, en tout cas, pas de connaissances. Je fais part des commentaires, méchants, ils sont méchants. Merci Tom pour cette poésie. Des gens de notre âge, ouais. Quand ouais. Enfin, C'est ainsi, comment voulez-vous que leurs propres enfants soient bien C'est ça. Je fais que passer vite, euh, vite, c'est la pub. Ok. <laughs> ah. <coughs> Je suis en train de m'étouffer là. Mais oui, oui. Ouais, ouais. Genre, c'est quand même ouf il y ait des gens ils soient mineurs et ils ont plus de respect que pour certaines personnes qui sont majeures. Il regarde, il regarde la Starak là. Sinon, c'est une blague, votre beauté à tous là. Euh, c'est à nous que tu t'adresses Tu t'es regardé J'imagine pas la génération suivante bah, justement, ce que je te dis, genre, les personnes qui sont mineures sont gentilles. Les personnes qui sont majeures, généralement, ils se croient tout permis parce que justement, ils sont majeurs donc ils savent mieux. Je vous ai déjà raconté que. Alors, moi, j'ai des... des dents de décapsuleur, ok Je le dis, je le sais, tu vois. Je vous ai déjà raconté que. Je n'ai jamais eu de remarques. À... Pourtant, j'ai été harcelée sur mon physique quand j'étais petit. Hein. Je n'ai jamais eu une seule remarque sur mes dents, sauf de la part d'adultes. Et du coup, j'ai complexé à cause de mes dents. Enfin, j'ai complexé euh, de mes dents à cause des adultes. Mais jamais à cause des gens qui me harcelaient, tu vois. Genre, c'est chaud quand même, hein. Donc tu dis, oui, il y en a, ils, ils se prennent vraiment pour eux. Les mineurs sont trop mineurs. Ouais, de ouf. Je suis moche. Victoria, je vais te taper. On dit pas ça de soi, là. Ah ouais, ah oui, 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 oui. Ouais, genre les, les adultes qui te regardent et tu fais Oh, toi, t'as besoin d'un appareil dentaire, ça, ça, ça se voit. Alors que tu as parlé, alors que la personne, tu viens, tu, ça fait 10 secondes que tu la vois IRL, tu vois. Yes, tape-moi, pardon. <laughs> Montre-nous ton plus beau majeur ou méchant majeur. Il est tout petit, mon majeur. Il est tout petit. Moi, j'ai des mini-mains. Fact, hein. <laughs> le, le, le premier doigt d'honneur doigt que j'ai fait de ma vie, c'était ça. Parce que j'avais pas tilté que c'était le doigt là qu'il fallait montrer. Moi, j'étais là, genre. <laughs> Les personnes tout juste majeures se sentent pousser des des alors que c'est juste des puceaux Ils J'écris pas comme ça. Oui, mais oui. Non mais non mais mieux que ça, il y a des personnes qui ont 30 ans hein, qui sont comme à ça. Mais tout c'est tout beau ou belle, n'oubliez jamais ça. Oui, ou alors à la rigueur. À la rigueur, dites-vous que si, vous, si vous, vous ne trouvez pas beau, si vous ne vous trouvez pas beau, il y a toujours quelqu'un dans le monde qui vous trouvera beau. Vous êtes vous êtes toujours l'idéal pour quelqu'un. En même temps, t'es petite, t'aurais de grandes mains, tu serais juste le sosie de Mickey, ce serait pour pomme d'un enfoiré. Non, bien sûr que non. Pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai bossé avec des groupes d'enfants, là je bosse avec des groupes d'adultes, c'est l'enfer, les prises ben oui, c'est terrible. Toi, ouais, t'es mon idéal. Dans 5 ans, j'ai 30 ans. T'inquiète, ça va le faire. Les pouces, c'est italien, Pl pluriel, pousso, singulier pouce. poussi. Faut pas dire ça! Faut pas dire ça! C'est de l'italiano! <laughs> bon, allez les gars! Euh, C'est vrai qu'il est 22h, va peut-être falloir commencer à jouer, non? Je confirme qu'on est tous beaux pour quelqu'un. Euh, et si vous ne si vous l'avez pas trouvé, ne lâchez pas. Et au pire, au pire, juste vous êtes beaux pour vous-même. Vous, vous avez le physique que vous êtes censé avoir. C'est un verre singulier pluriel. Oui! Les adultes sont moins matures que les mineurs des démons. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez. Pause pipi. Et on joue. Parce que euh, là, euh, l'horloge tourne. Hein. Les minutes se dérivent. Mais moi, je rêve de remonter le temps. Oh la vache. <laughs> on me dit souvent, j'ai 20 ans, alors que je vais avoir cette année 26. Oh, wow, bah c'est bien. C'est que tu fais plus. C'est quand. Tu... Plus tu vieilliras, plus tu feras plus jeune, t'inquiète. La rêve. Vous avez la rêve ou pas Moi, je l'ai la rêve. Terrible. Je la ref et je savais la jouer à la guitare. Oh la vache Michael Miro. Allez, bon. Euh, pipi. Ambiance pendant la pause. Et je reviens avec le jeu. Et si. Lily Rainbow, est-ce que t'es toujours là Il fallait que je te fasse un récap. Si t'es toujours là, Lily Rainbow, euh, après la pause, je te fais un petit récap. J'ai pas entendu, c'était quoi la ref La ref, c'était L'horloge tourne, les minutes se dérivent, et moi je rêve de remonter le temps. C'est une musique de Michael Miro. À 16 ans, je faisais 14 ans. Bah, moi, figurez-vous que quand j'étais jeune, genre quand j'avais 13 ans, on m'aurait donné 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Et une fois par semaine, j'ai un message d'un abonné qui me dit Oh, j'ai cru que t'avais moins. J'ai cru genre que t'avais entre 15 et 17 ans. Voilà. Non, toi, il me détruait pas tes 30 ans, clairement pas. Clairement pas. Bon, allez. Bon, Lily Rainbow est là, ok, nickel. Comme ça, je t'explique juste après. Bref, pipi, j'arrive. <laughs> Mais évidemment, ambiance dans le chat, à tout de suite Et re Oula, hop, re, comment ça va tout le monde? Comment s'est passé votre, votre petite pause? J'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien. Re pour vous, comment ça va Et re, comment ça va, comment ça va Votre petite pause est bien passée. Bon alors du coup, Lily Rainbow, petite explication du reverse decay Challenge. Alors... Le Reverse Decay Challenge, c'est exactement comme le Decay Challenge. Je vais changer de liste. C'est exactement comme le Decay Challenge, mais au lieu de. Euh, d'avancer de, dans le temps, genre de passer de 1890 et avancer dans le temps jusqu'en 2020, bah nous, on fait l'inverse. On remonte le temps de 2020 jusqu'à 1890. Voilà. Et donc, alors petit récapitulatif, et je vous ai fait un petit, un petit arbre pour ça. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait, fait le arbres. Voici le arbres. Alors, du coup, nous avons Priya. Priya qui a toujours vécu euh, à Tomarang. Euh, Priya, elle a toujours voulu avoir un enfant. Elle a eu son fils qu'elle a fait toute seule. Voilà, un bébé éprouvé avec toute seule. Qui euh, s'appelle Niran. Ce petit garçon s'appelle Niran. Mais à un moment, Priya, elle s'est prise de passion pour Penny. Elles se sont même mariées. Le problème, c'est que Penny n'aimait pas du tout Niran. Mouah. Des bisous, des bisous tout le monde. Euh, Penny n'aimait pas du tout Niran parce que bah, Niran, ça n'est pas l'enfant biologique de Penny. Donc, du coup, elle ne l'aimait pas. Donc, Penny, elle a tout fait pour que Priya et elle aient un enfant. Donc, euh, donc Penny euh, est tombée enceinte de la petite Jan. Le truc, c'est que Penny, au moment où elle a accouché, elle s'est barrée dans la nuit avec la gamine et elle a demandé le divorce avec Priya. Et bien évidemment, elle s'est barrée avec tout l'argent, tous les fonds du foyer. Voilà. Genre, elle s'est barrée avec tout. L'argent, la gamine, tout. Et du coup, elle, maintenant, elle a une énorme villa à Del Sol Valley. Et elle est avec notre gamine qu'on ne reverra probablement plus jamais. Parce que bien sûr, vu que du coup, on n'est on plus thunes, on a perdu le divorce, donc on n'a pas la garde. Et la gamine, du coup, on l'a vue une fois. Pour sa naissance, quoi. La gamine, on l'a vue trois heures. Ça fait genre plus de dix ans, du coup, que la gamine elle a grandi là. Et que, nous, on va, et que euh, Niran va passer adolescent aujourd'hui dans, euh, dans ce stream. Dans ce stream. Attends, y a eu une mise à jour dans Goodyear tu trouves des trucs Ah non c'est bon. Ok nickel, tout va bien. Voilà voilà, mais oui Niran est très très beau. Niran est très beau. Euh, donc du coup nous sommes avec euh, Priya et en plus de ça Priya elle avait un, un petit garçon, euh, un petit garçon, un petit chien qui s'appelait Doodle. Doodle est mort. Mon micro qui partait tout seul là, oh faut se calmer mon ami. Voilà merci bien, très bien. Alors du coup euh, là bah, du coup demain donc lundi in game notre petit euh, Niran va, va partir à l'école enfin non partir à l'école et après on lui fera faire son anniversaire parce que c'est anniversaire il a accompli son aspiration qui est pro des soirées pyjama Priya a accompli son aspiration qui est euh, les secrets là de Tomarang ou je sais pas quoi euh, descendance qui réussit euh, ça c'est sa nouvelle aspiration à la petite euh, Priya on a toujours le, le, le miroir dans le mur d'ailleurs qu'il va falloir que je dégage parce que ça commence à me saouler Priya, qui avant était créatrice de contenu et désormais, euh, maintenant, elle est caissière. Voilà. Parce que, bah, euh, on régresse dans le temps, donc on n'est plus créateur de contenu à, à cette heure-là, quoi. C'est plus la peine. Voilà. Bon, il est 8 h du matin. Niran fait toujours son petit dodo. Très bien. Et ma petite Priya est réveillée. Donc, Priya, on va lui demander d'aller manger un truc. Est-ce que, du coup, t'as suivi Lily Est-ce que c'est bon pour toi Il n'y a pas grand-chose à expliquer. De toute façon, pour l'instant, c'est un peu le début, quoi. Voilà. En sachant que, du coup. Nickel, on a joué pendant 24 heures à cette partie. C'est ok, nickel. En sachant que du coup, quand Iran deviendra jeune adulte, officiellement, on passera à la... à... aux années 2000. Là, on est en 2010 pour l'instant. Merci, Goudi, mais avec plaisir, avec plaisir. Donc là, pour l'instant, j'ai encore euh, la créa de contenu parce qu'on arrive tout doucement. Euh... Je... Euh, parce qu'on arrive tout doucement euh... milieu, années 2000. Mais après, euh, on va tout supprimer. Quoique, même, je me dis, en fait, je pourrais supprimer ça, hein. Ah mais non, les drones sont autorisés pour cette génération, donc j'ai droit. En fait, j'ai le droit à tout ça jusqu'à ce que Niran devienne, euh, devienne jeune adulte. Parce que quand il sera jeune adulte, on n'aura pas le droit à tout ça. En vrai, du coup, euh, c'est compliqué, hein. Compliqué. Et si je mets en, en mode de vie court, non, en mode de vie court, ça irait pas. Qu'est-ce qu'elle a elle fait sa petite danse, donc elle est, elle est ravie. Très bien, parfait. Et elle maîtrise totalement. Super. Merci. Mais avec plaisir, Lily, avec plaisir. Si jamais ça vous intéresse, sachez que je fais euh, un, un petit thread sur Twitter. Euh, vous avez pas le droit d'avoir, vous avez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Twitter pour ça. Voilà, vous n'avez pas forcément euh, l'obligation d'avoir un compte Twitter pour ça, mais je vous le mets juste là. Voilà, je récap à chaque fois les streams sur le Reverse ici. Le petit thread. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Oui. Ok, attendez, je coupe la même deux secondes. le stream j'arrive et re pardonnez-moi pardonnez-moi petit euh, petite pause intempestive alors hop mon chat niveau santé tu vas mieux mais oui carrément je vais bien bien mieux alicia t'inquiète pas si je suis là c'est que tout va bien Genre oui oui j'ai eu des petits euh, j'ai eu des, des prises de sang et tout va bien genre vraiment j'ai mes petites prises de sang euh, le médecin était très très ravi de mes résultats il m'a dit bah c'est nickel alors tout va bien genre euh, problème résolu tu vois <laughs> les petits problèmes de santé que j'avais eu sont résolus c'est fini et euh, si bah dans six mois j'ai un bilan sanguin à faire mais c'est tout genre c'est tranquille voilà Je suis trop contente pour toi merci Alicia mais voilà tout va bien tout va bien vous inquiétez pas Bon, on va faire un petit pipi, on va se laver les mains, euh, se laver les dents, pardon. On a la journée des farces aujourd'hui, des farces, aujourd des faces, bien sûr. Il faut que j'arrête, moi. Niran qui, qui fait la grasse mat, on va la laisser dormir, je pense. Ok, je me dis que nous, on pourrait sortir, hein, du coup, hein, parce qu'elle, elle veut faire un truc en extérieur, là. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. Malheureusement, elle n'est pas fonctionnelle, cette. Euh, cette, euh, cette fontaine. On aurait pu lancer des trucs. Peut-être que je peux la remplacer dans, avec le mode tool, je peux peut-être la remplacer par autre chose. Regardez. Non, elle n'est pas remplaçable, malheureusement. Euh, sinon, ici, je peux peut-être mettre une fontaine, genre la fontaine qui vient avec. Euh, avec euh, comment ça s'appelle Avec euh, Jardin Romantique, je crois. Je peux peut-être mettre ça là. Je savais même pas qu'il y avait une mini-fontaine comme ça. Non, non, la, la vraie fontaine. Pac, jardin Romantique, il est où Bah. Peut-être que j'allais dans les objets. Ça n'a aucun sens. Fontaine. Bah non. Mais il y avait une grosse fontaine avec le jardin romantique. Ah, elle est là. Mais elle est mise dans quoi du coup Complètement con. Peut-être mise dans l'extérieur, je sais pas. Aucun sens. Enfin bon, c'est pas grave. On va la déplacer, on va la mettre là, je pense. Voilà, comme ça on va pouvoir faire un petit truc en extérieur. On est en dehors de terrain. Voilà, allez, euh... Ajouter du savon si tu veux, jouer dedans, jeter une pièce, fais ta vie. On a reçu nos petits droits d'auteur, ça c'est chouette, c'est cool. Elle a envie de faire des trucs, elle a envie de être amicale avec Miran si tu veux, enseigner compétences ou ouais, flemme, on va faire ça, on va retirer ça. Voilà. Terminer une tâche professionnelle. Bah on n'a pas de tâche professionnelle. Voir des proches. On n'a pas de proches. Euh... Oh c'est pas, pas con ça. Je vais voir ça. Je vais essayer. Ouah, mais t'as mis la dose de savon la pichoune. Le petit bonhomme en mousse. Ah mais non c'est pas possible. Hein. Elle a ambulé la, la fontaine quoi. Ça n'a aucun sens. Propriétaire en visite. Bah super, génial. C'est bon, ça compte pas là, mais bien sûr que si ça compte. Allez, bisous. Euh, propriétaire en visite, du coup il est où Enfin elle est où Je sais pas, on a un propriétaire qui, euh, qui a disparu. Très bien. Niran, il va peut-être falloir qu'on aille se réveiller par contre, Pipou, hein, parce que là euh, ça fait tard. Hein. Il est 11h, on va aller faire un petit pipi. On va aller manger après petite douche. Pria, 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 comment qu'elle va En manque de lien. Ok, parler une plante si tu veux. Et re à toi Il faudra ah, qu'on fasse des farces aussi. Hein. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire comme farce. Bonne question. Euh, on peut fouiner dans les boîtes à lettres Histoire de quartier. Alors, Penny, elle n'a rien fait. Eh bien, je ne sais pas du tout, du coup. Je ne sais absolument pas ce qu'on pourrait faire. Pour oh, fouiner, je vais changer du coup. S'accepter. Ria a besoin d'accepter qui elle est en étant totalement gênante. C'est où ça à Accepter sa nature gênante. Où c'est Voilà, on va faire ça. Bon bah elle est ravie. Chercher des mèmes. Ok. Fais des allers retour à Paris depuis deux semaines, j'en peux plus. Mais pourquoi ça pourquoi tu te fais du mal comme ça, Iblis Nettoie ça, s'il te plaît, Niran. Ensuite, tu vas te laver les dents. Petite, euh, petite douche. Je vais me coucher une nuit. Eh ben, bonne nuit, c'est Jean. Merci d'avoir été là ce soir. En tout cas, des bisous à toi. À la prochaine. Je peux comprendre, ouais. Je peux comprendre. Hop. Elle est bonne. Hein. Ah, bonjour, monsieur le propriétaire. Euh, vérité sur Tom faire des blagues, tout ça, tout ça. Ce vendredi est un inspectigre. Je vais faire ça. Location. Complimenter les conditions de logement. Mm -hmm. Amical. Compliment. Non. Ce est un inspectigre. Allez, let's go. Ok, Niran, tout va bien. Est-ce que ses devoirs sont faits C'est une très bonne question, je ne sais pas. Oui, ses devoirs sont faits. Ces médecins-là, ils font pas d'effort d'avoir leur cabine dans une vie respectable. Ah ouais Tu dois aller aussi loin pour euh, avoir des médecins Putain, c'est chaud, hein C'est chaud. J'ai envie de piéger des trucs. Piéger les toilettes, je pense. Il va se faire engueuler par sa mère. Et c'est que ça, manger des encas si tu veux. Bon, peut-être pas, ouais. Peut-être pas maintenant, quand même, parce que tu viens de te nourrir, donc c'est pas logique. Pas logique, c'est pas logique. On va aller voir maman et on va lui faire faire euh, des interactions un peu malicieuses. Euh, hop. On va faire malice, farce. Qu'est-ce que c'est que cette tâche Re-Victoria Et on peut faire une supercherie ou pas Imité des sirènes. Renard. <laughs> C'est marrant ça. Iblis, le comique. Est-ce que se est pourrait que Priya aime les farces Ouais, pourquoi pas Vas-y. Il a une grosse chicnaude. Très bien. L'humour drôle toujours. Ah bah, bien évidemment. Très drôle l'humour. Il a. Alors, le proprio a des pop. Miran peut désormais se moquer de l'humeur des autres sims. Il peut également développer ses compétences malice et charisme. Bah, super, on est ravis. Ok, bon, lui, il a réalisé sa journée et elle, il faudrait qu'elle le fasse aussi. Alors, malice, farce. Qu'est-ce que c'est que cette tâche On m'a dit qu'il s'est fait avoir par sa propre farce, tu sais. Supercherie. Se vanter d'être une inspective. C'est la pète. Elle est trop mignonne, prête pour la vie. Elle est trop chou. Elle est trop chou. Du coup, ça ça ne sert vraiment à rien quand même. Hein. C'est quand même euh, un monde. Est-ce que je peux le placer genre, en mode le mettre sur un mur ou je sais pas Non, vraiment, euh, ça ne sert à rien. Très bien, super. Un badge qu'elle a volé. Même pas, non, non, on lui a donné. Ah non c'est vrai elle l'a volé non non es, c'est vrai t'as raison elle l'a volé elle a honteusement volé c'est vrai c'est vrai t'as raison puisqu'elle c'est quand elle s'était infiltrée la nuit dans le dans le temple Donc, oui oui t'as complètement raison en fait elle a honteusement volé j'ai rien dit j'ai rien dit Oh, bonjour! Comme ça, dire. Mais je savais pas qu'on avait des voisins de notre âge. Attends, je, je vais me présenter à elle. Petite présentation, Tomaranaise. On va lui parler. Qu'est-ce qu'elle a. Euh... Dara Liang la proposé un rencard. Si tu veux, vas-y. Ils disent bonjour à travers le buisson. Oh, ils s'entendent bien, en vrai. Euh, je sais pas on va dire quoi action je sais pas euh, leur barre d'amitié augmente toute seule. Hein. Euh... je comprends pas bah bon, écoutez on va les laisser parce que visiblement ça augmente et juste que je pense que c'est l'un des packs que je connais le mieux alors que je l'aime pas et que je l'ai pas non mais parce que il a rien d'intéressant en même temps en tirer donc oui tu m'étonnes tu m'étonnes euh, fallait qu'on fasse un truc fallait qu'on soit amical vais être amicale avec Niran. Ah, oh, attends Il y a une autre geste spécial de pote de bracelet. Mais vas-y, let's go C'est quoi ça Ah, oh, c'est trop bien Ils sont trop bibous Ils sont trop mûrs Attendez, je prends une petite photo. Hop Petit de des familles, bien sûr, on n'oublie pas. Voilà, merci bien. Nickel. Ils sont trop mignons. Bon, nickel, du coup, tout va bien. Euh, regardez les nuages avec Eka, ok? C'est quoi? Chercher des mèmes, du coup, on a dit. Bon, on va aller sur internet, on va chercher des, des mimes. Ah, oui, c'est vrai que l'ordi, il est parti dans la chambre de notre fils. Alors, web. Ah, bah tiens, il souhaite venir, lui. Vas-y, viens. Viens, viens, Web, chercher des mèmes. Regardez, you crack. Non, pas dans la chambre de ton fils. Euh, recherche. Il est, pas du tout. Attends, non. J'ai appuyé sur vraiment la touche pause de la musique pour mettre pause au jeu. Euh... Ah oui, mais il faut être joueur d'abord. Ok, bon, on va regarder des... les nuages avec lui, avec Eka. J'en suis j'écoute le stream, mais je suis loin du PC. T'inquiète, y'a pas de soucis, euh... mon team D, Pas de soucis, pas de soucis. Euh, Est-ce qu'on peut faire penser profonde, regarder les nuages J'apprécie vraiment que tu me consacres du temps, je voulais juste te le dire. Oh, ils sont pipou Il fait des pompes, lui. Il a 8 ans et demi, il fait des pompes, ça n'a aucun sens. Où ouais, bien. Bon, et eh ben en tout cas, tout se passe bien pour eux. Nickel intéressant à faire pour aujourd'hui je pense toi qui as créé la maison non, non 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 en fait la maison de base enfin c'est une construction de base de tomarang c'est celle ci euh, c'est une construction vraiment de base de base mais moi j'ai juste refait euh, là cette partie là tout ça là je l'ai refait parce que de base enfin par... de base cette partie là toutes ces structures elle est découpée en deux genre vraiment il y a un mur en plein milieu là comme ça et c'est découpé en deux et moi j'ai vraiment voulu faire des parties communes en fait et des appartements un peu plus petits donc du coup c'est ce que j'ai fait et après, oui, pour le reste, là, ici, euh, oui. Moi, il est fait Il a cassé le lavabo, ce gros ozo, là. On va faire un petit pipi. Niran est bien élevé. Oh, Bichou Non, mais il se fait plein d'amis, hein Il se fait plein d'amis. On t'arrête de regarder les nuages avec ce monsieur. Mais vous avez regardé les nuages. Ah merde, j'aurais dû mettre confirmé. Restez heureuse pendant 4 heures. Ouais. Bah c'est bon. Confronté à propos de ton secret. On n'a pas de secret. Chercher des mêmes. on va le faire. Ah, c'était pas le bon. Ah, en fait, oui, on a regardé les nuages effectivement, mais pas avec le bon mec. <laughs> ah, je suis trop con. C'est pour ça que ça va le départ, on souhaite. Bon, là, du coup, Pitoun, elle a 8000 trucs à faire réparer, là. Merci Niran, qui a foutu le bordel partout. Niran, en parlant de lui, il a un appel. Atlas Michelson se, rendait... se demandait si je voulais le rendre visite et passer un peu, un peu de temps avec lui. Mais ça, c'est c'est trop. Ça me saoule de ouf qu'on puisse pas. qu'il n'y ait pas une sélection en mode euh... oui, mais dans une heure, comme réponse. Parce que là, du coup, moi, j'aurais bien aimé que Niran aille en parler à sa mère. Bah non, du coup, on va pas y aller, c'est trop. Chaud. Hop, lui, du coup, pour se faire pardonner. Ah oh, non, il peut pas. On va essuyer ça et on va astiquer. Voilà. On va sortir le linge aussi. Sèche... Bah tiens, lui, il peut le faire. Mets au sèche-linge. T'es assez grand là. Et si vous êtes comme ma famille, oh t'es trop mimes cam, t'es trop pipou. Oh Regarde quand on voit du love. On va nettoyer le filtre, sécher le linge. Ok, euh, maintenant fin, 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 bah va peut-être falloir qu'on ait mangé un truc. Hein. Oui là il faut vraiment qu'on ait qu'on ait fait un truc. On va se laver les mains. On ira nos que ce soir, Ira se laver les mains. Comme ça on va ouvrir, prendre des restes, de tout ça. Allez, let's go. <laughs> Plein d'amour, c'est trop chaud. Ah, c'est cassé apparemment, yes. Ma petite Priya. Euh... Tiens, on a Alone ici. <laughs> C'est quoi ça? À lune sinon. Bien sûr, ces fusées sont dangereuses, mais si tu voyages dans l'espace à bord d'une de d'entre elles. Ah oui, les ours lunaires, c'est vrai, on a ça. Ok, ok. Compatibilité exceptionnelle avec son proprio. Ok, tout va bien. Nickel. Bah, c'est parfait. Euh, je vais demander à Niran d'aller se broser les dents. Se broser. D'aller se broser les dents. Encourager à faire la vaisselle. Ouais, vas-y. Et on va inciter à. On peut pas genre se brosser les dents? Ah oh non, c'est con ça qu'on puisse pas faire ça, genre inciter à, à se brosser les dents, c'est nul. Voilà, bon, on va y aller, on va se laver les dents, pipi, lavage de dents. Streamlabs il a dit il faut sauvegarder, donc je sauvegarde, avant de me faire engueuler. Allez, on se dépêche, voilà voilà. Maintenant, maman elle va nous mettre au lit. Ah, et nous après ça, on pourra aller chercher des mèmes, du coup, vu que maintenant on est, on est, on est joueuse. Voilà, photo vidéo virale, bah des mèmes, quoi. Mmh. C'est bon là hein Elle a bugué ou c'est moi Je crois qu'elle a complètement bugué. Oh non c'est chiant, c'est relou ça. Bon tant pis, on va dire qu'elle l'a fait. Hein. a juste bugué, hop voilà merci. Bonne nuit. Allez hop, zou Et demain c'est l'anniversaire de Niran, Niran qui deviendra adolescente. Ça va être trop bien, ça va être trop bien. Jour férié journée des fards, c'est une réussite, très bien. Ah Niran a encore une dent qui bouge, bon ça c'est ok, c'est cool. On va pouvoir euh, lui refaire euh, la fête des dents après. Petit pipi. Ok, petit miam miam. Après ça va être très routinier là pour le coup. La semaine va aller assez vite je pense après vu que lui il a école de toute façon. Voilà, après ça on ira se laver les dents. Mais non mais tu te laves pas les dents en même temps que tu manges espèce de zinzin. Nous, on va se... Ouais bref, on va attendre que Niran est fini. Niran, bouge-toi, faut que tu termines de manger pour aller faire la vaisselle et tout. Merci, comme ça nous, on peut faire pipi. Prendre une douche. Et manger un peu. Voilà, et la Niran peut aller se laver les dents. Discuter avec... Non, mais non. C'est gentil, mais non, merci. Ok, on va réparer ça. Nettoyer le filtre, sécher le linge. Se laver les dents aussi parce qu'on sait pas laver les dents avant de partir du coup. Niran à part à l'école, ok. Bon, on va toujours le faire réviser assidûment, c'est important. Ok. Priya, qu'est-ce qu'elle a Ah, Atlas... Ma... Non, Atlas Michaelson, il va pas venir tout seul, non Bon, écoute, je ne sais pas, je saurais jamais... Ah, mais elle travaille pas aujourd'hui Ah, mais c'est chouette Du coup, on va pouvoir passer la journée à, à faire un petit préparatif pour euh, une fête d'anniversaire pour... Euh... On ira... On peut faire, une, genre, une fête d'anniversaire surprise. Ça peut être bien. Bon, euh, nous, on peut pas faire ça, mais on va faire jour, c'est surprise. Fête d'anniversaire, voilà. Sim ben non. Ah, mais merde, elle est pas là, donc on peut pas faire ça. Bon, c'est pas grave, on va s'organiser. On va cuisiner toute la journée, je pense. Il nous faut de la pâte, je crois. Ouais, il nous faut de la pâte liquide pour faire un petit gâteau hamburger. Ouais, parce qu'on sinon... ouais, qu peut pas faire des cupcakes, malheureusement. Bon, je préfère des cupcakes quand même. On hein. faire de la pâte liquide. Ça vient avec quoi les gâteaux hamburger C'est avec la version de luxe euh, du jeu de base. On peut faire des petits cupcakes, ouais, ça peut être pas mal. Des petits cupcakes. Un gâteau zombie, même, pourquoi pas, ça pourrait être bien. Ou un gâteau bleu. Ah oui, mais non, il nous faut des œufs bleus, on n'en a pas ça. On va faire de la pâte liquide, c'est pas grave, tout va bien se passer. Préparer les ingrédients, pâte liquide. Oh, on peut faire. Ah non, j'allais dire merde, on peut faire de la farine, mais pas du tout. On peut faire alors de la viande préparée et tout. On peut faire tout ça. Ok, d'accord. On va faire de la pâte liquide. Après, on fait de la pâte à biscuits. On va faire de la viande, tout ça, comme ça, on aura tout, tout ça de près. Okay. Oh là là, elle a envie de... Bon, écoutez, on va lui mettre le lit à plaisir. Les mardis, madame. Voilà. J'espère qu'elle va se laver les mains avant de continuer à cuisiner quand même. Si elle a pris d'une petite envie, écoutez, pourquoi pas, on va se laver les mains. On va récupérer les ingrédients, on va faire la pâte à biscuits et de la viande. Nickel. Après les ingrédients, pâte à biscuits. Oh là là, ça a l'air trop bien avec les petites pépites de chocolat et tout là. Nickel, on récupère. On va pas réfléchir à la vie, non Et ensuite, on va faire, j'ai dit, de la viande. On une salade de fruits un peu chelou. Ah, ça en fout partout en c'est super, yes, juste en haut. Incroyable. Mmh, bon appétit. <laughs> c'est horrible. Hop. On a eu les factures, on va aller les payer tout de suite. Payer les factures les et le loyer. On va voter pour les plans d'action de quartier aussi, ça peut être bien, ça fait un moment. On aurait pu voter depuis longtemps hein, pour les plans d'action. Ah, mais non, mais tout a été abrogé, je crois. Ah oui, non, j'ai pas besoin de voter du coup. Ok bon bah voilà parfait on a tout fait est-ce qu'on peut trier le, le courrier non ah Penny pizzas ouvrir ok je vais le noter voilà Bon pourquoi pas hein, finalement. Ça se fait. Ok, bon. Bah du coup, on peut faire euh, cuisiner. Oui, Hector Longrand, si tu veux. Il est sympa. Euh, cuisiner, du coup, on a dit on va faire des petits cupcakes et après ça, on va faire... Euh... Je pense que des cupcakes, c'est bien. Hein. Faire des cupcakes et le gâteau. L Anniversaire. Cupcake moquamante euh, à la carotte, je sais pas. Suis noir et blanc. Cupcake au caramel. Ah ouais, ça, ça peut être pas mal. On va faire ça. Est-ce qu'elle va lui acquérir du coup la compétence pâtisserie ou pas Ce serait bien, ce serait bien, ce serait bien, bien. Oh là là, du coup, Pitou, il grandit aujourd'hui. <laughs> C'est trop bien. Par contre, euh, quoi euh, Priya qui devient vieille dans deux semaines, on en parle ou pas Des cupcakes et le gâteau Mais en vrai, elle était belle. En vrai. Faut que je te l'accorde. Je te l'accorde. Voilà, merci. Ensuite, cuisiner. Bah, du coup, je pense qu'on va faire un gâteau, tout ce qui est plus classique. Un gâteau euh, aux fraises, peut-être pas. Chocolat. Cupcake au bacon. <laughs> non, merci. On va faire des. Ouais, gâteau. Ouais, non, si gâteau burger, c'est marrant. En plus, elle a passé toute sa journée du coup à cuisiner. Donc je me dis, elle aura peut-être pu faire ça. Parce que toute la journée, vas-y. C'est quoi ça Préparer pour le succès cuisine avec des ingrédients préparants qui viennent tellement efficaces grâce à la pâte liquide préparée avec le roux de pâtissier, c'est vrai. En vrai, ça me donne tellement envie de faire une petite partie avec via la campagne, là. Tranquillement. Euh, tu te fais tes petites réserves, tu te fais vraiment genre une réserve de, de bouffe dans, derrière la cuisine, vraiment une réserve, une remise de bouffe avec plein de bocaux, euh, vous savez, les conserves avec via la campagne et euh, les petites, euh, les petites bar barquettes de, de, de pâtes, de viande et tout, genre, ce serait tellement bien. Oh là là, incroyable. Euh, ok, bon. que je fais dans ma partie perso j'adore ah oh, mais ce serait tellement bien Il ferait. ok bon bah on attend du coup on attend on attend on ira ne va pas tarder à rentrer juste pour la farine obligée de l'acheter je crois ouais alors justement j'ai vu ça avec un cop avec un ami hier figurez-vous que la farine le sucre et la viande sont des ingrédients qui sont passés dans le jeu de base mais que vous ne pouvez pas les acheter si vous n'avez pas, si pas via la campagne. <laughs> sauf, en passant, sauf en passant par le débogage. Genre si vous passez par le mode construction débogage, vous pouvez les acheter. Sinon, jeu de base, c'est mort. Du coup, quel est l'intérêt de les avoir fait passer jeu de base Le souci aussi, c'est de faire du pain. Non, mais c'est trop, trop con. c'est débloqué au travail pâtisserie. Ah ouais, faire du pain, c'est débloquer au travail. Ah, Niaran est rentrée. C'est pour le kit Passion Cuisine. Oui, mais enfin quand même. Justement, si pour le kit Passion Cuisine, bah au moins, genre, tu laisses la possibilité de pouvoir acheter de la farine quelque part. Mais du coup, tu peux même pas. La farine, tu peux l'acheter que via le mode construction. C'est complètement con. Et encore, c'est même pas dans le mode construction, c'est vraiment dans le débogage. La convenance pâtisserie débloque la recette de pain. Oh, je suis pas sûre, hein, Parce qu'il y a plein de... Par... Franchement, la compétence pâtisserie, je crois, que je ne l'ai jamais faite et j'ai toujours pu faire du pain dans mes parties. Hein. Donc, je suis moyen-moyen-sur en vrai. Euh, du coup, ajoutons un événement, un petit anniversaire pour notre fils Ni Ran. Invité. Euh, ça débloque la recette du pain, en fait. C'est ah, que j'ai au travail. Ah, ça débloque la recette. Ah, mais c'est con être mon bête. Genre moi ce que j'aime trop c'est euh, ce, que, ce, que ce que je trouve dommage avec le paquet à la campagne c'est que ça aurait été bien de mettre genre euh, de pouvoir étaler ta confiture sur le pain. Bon coucou coucou tout le monde je fais que passer go, go dodo pour ma part j'espère que vous allez bien je vous adore des gros bisous Luna Bah, écoute merci d'être passé en tout cas bonne nuit bonne nuit à toi à la prochaine euh, bah du coup on va inviter tous ses copains on va inviter Imran on va pas inviter Penny non on peut pas inviter ses autres amis il y en a pas d'autres bon on invite Imran du coup invite Imran Invitons Eka et, et Alon. Mais Alon, je crois il a, il a juste grandi. Je suis pas sûre, je sais plus. Voilà, on va faire ça ici. On va faire maintenant. Voilà. Bon anniversaire. Le pain n'est pas dans la catégorie pâtisserie, mais moi. Non, non, il y est même pas en plus. N'empêche pas de faire des recettes sans pain, mais bon, ça me gênait de ne pas avoir de pain. Ah ouais, mais c'est complètement con. Voilà, surprise Bon anniversaire On peut lui souhaiter un bon anniversaire, genre en mode hey « Eh oh !» Oh là, c'est tendre tendrement. Allez, let's go. Trop <laughs> mims. Voilà. La Z vient avec le pack au travail qui comprend la compétence pâtisserie. C'est bizarre, hein, c'est ce que je te dis. Hein. Ouais, c'est glauque. Mais bon. Après j'avais, c'est cool d'avoir les aliens avec ce pack. Oui J'avoue. Ouais, les aliens c'est chouette, ouais, c'est chouette. Ok bon. Bon et eh bien, on va quand même genre ajouter des bougies d'anniversaire pour être sûr que tout va bien. Est-ce que Priya pourrait changer de tenue, ce serait pas mal, je pense. Après, on va ouvrir à ce petit monsieur, genre bonjour monsieur. On va l'inviter. Il vient pas. Bah viens peut-être. Je sais pas. Bon. Est-ce que Priya, tu peux changer de tenue, s'il te plaît, parce que la c'est un peu compliqué. Oh, c'était à l'époque quand elle se faisait ses petites mèches et tout. Oh là 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 là, Pichoune Est-ce peut prendre une photo avec lui, avec euh, le petit On peut prendre une photo Je crois qu'on peut pas avec les petits. Non, on peut pas, fait chier, dommage. Je vais le téléporter ici. Je vais prendre l'autre caméra. Parler de son frère ou de sa sœur oh Oh là là, j'aurais bien aimé qu'elle soit là quand même pour mon anniversaire, ma petite sœur. Parce que je rappelle que euh, la petite, du coup, euh, il a, l'a il vue une fois quand il était tout petit, quoi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Elle est où la caméra Normalement, elle est forcément dans le jeu, hein. J'ai mis le, le CC1. C'est ce qui me semblait. Hop, allez, zou. Vous dis, moi je vais y aller. Des gros bisous, je vais aller me faire à manger. Et Go Sims. Et bah, bonne fin de soirée à toi aussi, Slazu. Des bisous, merci d'avoir été là ce soir. ciao. ciao. Ou voilà, alors on peut peut-être le mettre un peu plus bas, l'appareil photo. Ils sont trop pipous. Après en vrai je pense que la caméra elle n'allait pas assez loin. pas non plus la meilleure pose je pense il ouais, faudrait que j'attende de voir euh, ce que ça donne mais non mais lève toi up, oh. Oh, uh -huh. hmm. après c'est le lien fort avec niran je sais pas on peut pas amical affection Geste spécial bracelet de pote, ouais, on peut faire ça. Nous avons un lien qui transcende l'espace, le temps et peut-être même les simfous. Oh, c'est trop bipou. Ok, alors toi, tu dégages. La geste, ça dégage. Toi, tu dégages. Voilà. Non Non Je vais prendre une photo de ce super moment Ah putain, il faudrait vraiment quelqu'un en fait dans notre foyer. Autre. Bon. Je vais quand même essayer de prendre des photos de Niran. Non mais non, ça sert à rien du coup là. un peu bas. Oui je vais je vais saouler pour prendre ma photo mais j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça bien d'accord non le petit pas viens là niran reviens là Ah regardez comme il est beau mon fils là Il est magnifique non Il est trop mignon. Il est vraiment trop chou. Oui il est trop cute, il est vraiment mignon. J'ai pris quelques photos. En adoration. Oh, c'est trop mignon. En adoration avec son fils. Bon, allez. Euh, il faut qu'on fasse. Bon, la chine, on n'en a pas. Manger de la nourriture. On peut faire en sorte qu'on mange de la nourriture. Hop, manger des nourritures, complimenter les sims qui font son anniversaire. Euh, pensée profonde. Non, compliment. Félicité. Enfin, juste félicité, bon anniversaire, tout ça, tout ça. Cool. Happy birthday to you. Yeah. Hello, bzou. Nickel, allez bon, on va tous aller euh, dans le salon pour euh, souffler les bougies. Oh non, il souffle ses bougies tout seul, Pichou. Personne n'est là pour lui. Non, non, bah non, désolé, hein, mais non. On va ajouter tout le monde là. Action, ajouter à la bande. Voilà, allons tous ici, merci, c'est très gentil. Et là, on va souffler les bougies du coup pour Pichou. Il est trop pipou. Il est adorable. Il est franchement trop beau, par contre. Vraiment. On a fait un beau bébé, moi je vous le dis. Hop! Voilà, comme ça, je pourrais faire les photos récap sur Twitter comme ça. Hey <laughs> Et bon anniversaire, Niran! <laughs> <telling> Pipou! <laughs> Il a gagné un très bonus! Estime de soi élevée. Ces Sims deviennent régulièrement confiants, même lorsqu'ils n'arrivent pas à acquérir des compétences ou à réussir au travail. Ils ont moins. Euh, de chance de développer une peur de l'échec, c'est trop mignon. Anniversaire les petits cobayes bye. Oh, Pichou. Allez, qu'elle se... qu va être ressourcée. J'ai trop peur, je regarde pas. Amoureux des chevaux. C'est pas la bonne époque, Niran qui a un peu trop. Après en vrai dans les années 2000 c'était cou courant l'équitation, non? On va pas avoir un ranch à, à tomarang. On va pas avoir un ranch à tomarang. Ranch en Thaïlande. Attends, je vais regarder. Non ouais c'est bien ce qui me semblait en Thaïlande les ranchs c'est avec des éléphants Mais on n'a pas d'éléphants donc euh... on va pas avoir de ranch en fait on ne peut pas ça va pas être possible ça va pas être possible on change il aime la musique bah écoute why not hein euh... Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre en inspiration On peut lui mettre une inspiration d'enfant, peut-être Un adorable rebelle. Pourquoi un petit, re Pourquoi un petit rebelle On peut mettre qu'il est déterminé. Voilà. Genre, il veut être le meilleur partout. Parce que c'est le petit-fils à sa maman, et c'est comme ça. allez zou, c'est parti Ça, c'est un truc que je comprends pas. Genre, mes sims, ils sont tout fins, et puis après, quand ils grandissent, ils grossissent. C'est pas très... C'est pas logique. Donc, je vais changer ça, par contre. Je me permets. Simplement parce que c'est pas très logique et c'est pas réaliste. Genre tu grandis, tu deviens pas... Euh... C'est pas une étape obligatoire, quoi. C'est un peu... Bon, bref. Hop. Allez, allons le modifier dans votre création. Allons voir. Il veut faire compliqué dans la vie. Ouais, je pense, ouais, je pense. Oh, il est mignon. Oh, il est trop beau. Regardez comme il est choupi. Je vais lui mettre plein de trucs qui viennent avec, oh, avec euh, Anne-Élysée. Je suis sûre que si je le passe en femme, c'est le portrait craché de sa mère. Et bah, même pas. Même pas. Comme quoi. Je sais pas, euh, je sais pas qui est son donneur, mais euh, bon. Son donneur a des bons gènes en tout cas. Je vais lui mettre tout à élysée je pense. Après, là, je rappelle, les gars, que c'est l'époque de la tectonique. Hein. Oh, des... Euh... Il y a une bouche de poisson. Non, Ibis, on fait pas ce genre de commentaires. C'est pas gentil. Il y a des gens qui ont peut-être la même bouche dans la vraie vie. Euh... Non, je reviens pas de faire ça, mais je vais... Hop. Oh là 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 là... Je reviens pas de taper Tectonique Outfit en Google. Oh Jésus, l'époque. Voilà. Donc là, globalement, je vous montre un petit peu la source d'inspiration de notre fils. Ça va être affreux. Euh, voici l'inspiration pour notre fils. Quelle époque je pense que c'est le moment du coin moi aussi quand même t'inquiète je pense que c'est le moment <laughs> ça y est bah ben là les gars on est en plein dedans. Hein. c'est l'époque de, de la tectonique. C'est fini. <laughs> Voilà. Oh my god. Voilà, c'est fini. Je vais avoir 33 ans fin février. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ont 14 ans et qui connaissent la tectonique, mais tu as des gens qui ont, qui ont genre 18 ans, ils ne savent pas ce que c'est. en mode, mais il y a un problème là. Bon, bah du coup, je vais mettre un petit mulet comme ça. Oh, ça va tellement bien, ça fait tellement tectonique, c'est ça le pire. Oh my god. Non mais c'était c'était pas tendu orange le vert hein, c'était très bleu violet et tout hein on va lui faire se colorer les cheveux je pense à Pipou hein. non ça ça va pas ouais non je pense que ça c'est bien mon dieu <laughs> c'est affreux qu'est-ce que je m'apprête à faire je peux pas mettre une grosse étoile sur sa tête

Ça va là dans le chat Tu vas bien J'aurais eu une crête. Euh, le problème c'est que les crêtes en fait, en... Là, moi j'ai une, une photo de référence. Hein. C'est ça ma photo de référence. Et oui, certes, ils avaient des crêtes, mais ils avaient surtout beaucoup de mulets. Hein. Et là, en l'occurrence, ça fait un peu. Ça fait un peu. Hein. Enfin, je vais faire plusieurs essais. Ah, ça, ça passe bien. J'ai 20 ans. En tout fait, cas, j'ai connu, mais c'était beaucoup trop petit pour m'en souvenir. Oui, mais il y a des gens qui connaissent pas, genre en mode, ils savent même pas ce que c'est. Tu vois. C'est ça la différence. C'est le... pas... pas connaître en mode l'avoir vécu, c'est de savoir ce que c'est, tu vois. C'est vrai qu'on aurait pu mettre ça. Oh non, non, mon Dieu. Parce que ça, ça en vrai, ça va pas. Hein. C'est pas du tout la coupe. Hein. Mais en fait, il aurait fallu que ce soit. Il aurait vraiment fallu que la coupe-là, que je vous ai montrée juste avant. Mais. Avec les cheveux un peu longs, quand même. Sur derrière. Ouais, voilà, c'est ça, il faut un mulet, mais en mode court. Je suis en train de faire un duel de danse invisible, c'est le même moment. Ouais, voilà, mais en fait, on n'a pas de mulet court comme ça. Genre, un, un mulet est court sur le dessus, on n'a que ça, hein, que la coupe de cheveux, là de Rory. n'y n'a pas ce genre de coupe de cheveux. Ah, si, peut-être ça! Oh, DM les gars, j'ai trouvé! <laughs> bah, c'est bon, on a trouvé. Là, je vous ai mis une playlist tectonique, hein, je vous préviens. <laughs> pas mal, hein? C'est parfait ça, ouais. Attends. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à tout hasard? C'est quoi ça ouais. euh... J'ai pas en vrai. J'ai pas de coupe de cheveux qui va. Hein. Non non, j'ai vraiment. J'ai juste ça. Hein. Même ça, ça va pas. C'est pas assez long sur le derrière. Là, ça va bien. Allez, c'est parti, on va mettre ça. Ok. Là, il faut qu'on mette vraiment le, le t-shirt très. Bon, attends. Du coup, j'ai dit, je vais l'amaigrir un peu. Il faut vraiment le t-shirt bien moulant. Genre, limite ça, mais en t-shirt, quoi. Ça, c'est pas assez moulant. Ou alors, en débardeur. Ça, ça passe bien. Hein parce que ça, non, ça, ça passe pas. Ça, ça passe plutôt bien, je trouve. Bon, parce qu'il faut vraiment un truc moulant. Ouais, ça, c'est bien. Hein Qu'est-ce qu'on en pense Parce que normalement, il y a un logo. Et ça, c'est pas mal. Hein ça, ça fait vraiment logo. Mais le problème, c'est qu'il y a pas ça. Et je peux pas mettre ça, tu vois. Et ça, ça fait trop moulant pour le coup. Alors ça, c'est bien. Euh, ça c'est pas mal. Et il me faut maintenant un vieux jean. Mais en fait, je sais pas si on a le, ce genre de jean dans les Sims. Genre les vieux jeans délavés, quoi. Limite Oh non, je sais I know, I know. Et merci beaucoup, euh, Poki à Gasoline, pour ton follow. Je te souhaite la bienvenue parmi les petits potes. installe toi confortablement. Bienvenue à toi. Euh, je pense... Il est où le jean auquel je suis en train de penser Il est où C'est tellement ça. C'est tellement... Mais alors tellement ça. C'est bon, vous vous ressentez euh, rajeunir là Ou vieillir peut-être Vraiment du bleu délavé, en fait. Ouais, un peu comme ça. Voilà. Et les baskets montantes, bien sûr. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on est en train de faire C'est affreux. C'est affreux. Bon, des grosses baskets montantes, ouais genre ça en fait. Oh là 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 là. Ma jackpot, hein. Bah là c'est. On a ça. Hein. Là c'est bon, hein, je pense. Hein. Mais c'est pareil, pourquoi il y a un ventre Ça n'a aucun sens ce truc là. n'a aucun sens. Euh... Je suis en train de regarder ce que je pourrais avoir de plus. Mmh. Les mitaines, les mitaines, les mitaines. Il n'y a pas de vraies mitaines en fait. Il y a ça, mais c'est pas des mitaines quoi. Et ça, euh, ça marche pas. Hein. Non, je peux en mettre qu'une seule de toute façon. Oh mais... Aïe oh. aïe aïe. Mais sinon, il y a ça. Aïe 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 aïe. Aïe 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 ah, aïe. Parce que ça, ça passe pas. C'est trop... C'est trop goth, en fait. Il était pas mal aussi le débardeur où on voyait ses personnages. Et coucou euh, Poki, j'espère que tu vas bien. Du coup, bienvenue à toi. T'as mangé quoi aujourd'hui On voyait ses pecs. <laughs> on voyait ses personnages. Mais c'est qu'en fait, c'était pas assez moulant. Moi, j'ai des photos de référence sur le côté et c'est pas mou... c'était pas assez moulant. On voyait ses pecs. Euh Genre ça. Ouais, c'est pas assez moulant, je trouve. De où ça c'est de la tectonique, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'assez moulant, c'est pas mal. Oh Oh Les gars Masterclass Bon alors là les amis. Mmh. Ah là 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 Vous vous ressentez repartir, là, ou pas, dans ces années absolument incroyables et folles On va lui mettre aussi des petites manchettes, je pense. Non, c'était pas les manchettes, c'était les bracelets... Euh... Les bracelets en forme euh, d'animaux, là. Il a vraiment pas genre une coupe à la con dans les sims c'est dommage genre ce serait <laughs> ce serait hilarant qu'il fasse un pacte tectonique <laughs> ce serait marrant en vrai ouais ah, on est pas mal c'est bien est-ce que je peux mettre aussi, genre, un... je peux lui faire faire un tatouage Est-ce qu'il y avait des... Bah, les piercings, bien sûr. Les piercings euh, des Tectonic Killers, évidemment. Ils avaient plein de piercings. Parce qu'ils étaient trop swag, tu vois. Et encore, le mot swag est apparu après, hein. Hop, comme ça, ouais. Pas mal, hein. C'est pas mal. Salut, merci, c'est celui qui m'a offert le sub. what de fuck, mais... De quoi Ah bah, je sais pas. T'as pas accepté ton sub, peut-être Je sais pas, ça marche pas. J'espère que tu vas bien, bienvenue à toi, Théo. Euh... Les colliers, le collier, le collier, le collier. Il me faut un grand collier, genre une grande chaîne. Message bug, il y a un souci. Pourquoi, un... Pourquoi tes messages bug Il me faut un grand colis. Genre, on peut mettre une plume, parce que les... la plume, c'était un peu à l'époque. Euh, c'était un peu à la mode à l'époque. On va lui mettre un sifflet. Hmm. Ou une clé peut-être. Il y a un conflit. De quoi il y a un conflit Ah, ça c'est pas mal, hein. ça j'aime bien l'idée. a pas genre un truc avec des étoiles Moi il me faudrait vraiment un collier bien tombant, mais il en a qu'un seul qui vient avec mariage. Genre ça. faut vraiment un grand collier quoi. Et coucou Baba, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. T'as mangé quoi aujourd'hui Bienvenue. Mais c'est normal Théo. Comment ça T'as un message T'es T'as un, un message qui te dit, que, qui, qui te dit quelque chose ah. Moi, je vous abonne euh, pour ce soir. Belle soirée à tous. Des gros bisous, Draven Slee. Merci d'avoir été là en tout cas ce soir. Bisous à toi. À la prochaine. Coucou Vava, comment tu vas T'as mangé quoi aujourd'hui On voit pas ces messages dans les chats, c'est normal, il est en accès restreint. C'est normal. Parce qu'il faut pas oublier que les streamers, quand ils sont copains entre eux, ils se partagent les, les listes de bannissement. Et qu'on discute beaucoup entre nous. Oui, c'est normal parce que tu es en accès restreint. Ça veut dire que tu es surveillé. Jusqu'à ce que tu te comportes. Si jamais je vois qu y a, que tu as un bon comportement, je te je retire cet accès. Mais tu euh, t'es en accès restreint. C'est normal. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a que moi et les modos qui, qui pouvons voir tes messages. Ça va bien, merci, j'ai mangé grignotage. Ah, bah trop bien Grave cool. Trop bien que t'aies grignoté un petit peu. Hop. Euh... Est-ce qu'on peut pas lui mettre aussi des. Oh, les écarteurs! Oh là 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 là! Dommage qu'il n'y ait pas des plus petits écarteurs! Genre, par exemple, je peux mettre ça sinon. Voilà. J'ai envie de lui mettre un tatouage, mais tu sais, genre en mode. Euh, un petit tatouage sur euh, le biceps, quoi! Genre en mode. Oh là là, croque la vie! <laughs> carpédium! C'était avant ou après la mode du carpédium? Merde, Millie où Mais non, tu vas me dire que je ne peux pas l'avoir avec eux. Ah si. Oh là là Tant je, neuve... je suis nouveau sur ta chaîne. Oui, mais c'est normal, parce qu'on partage nos listes de bannissement avec les, avec les copains. Wow on partage avec les copains et on parle beaucoup. Et tu es banni chez Jared. Et le raccoon. Le raccoon, peut-être pas, mais chez Jared, oui, en tout cas, tu l'as. Euh... Persing aux lèvres aussi, ça irait bien. C'était un... Euh, un peu en même temps que les émaux. C'est vrai, mais je crois que les émaux c'était un... un tout petit peu après quand même. Je crois qu'il y a eu la tectonique et après directement c'était les émaux. Mais c'était pas pareil. Parce que les émaux c'était vrai. Mais de toute façon, on n'a pas de piercing aux lèvres dans les Sims. On n'a pas de piercing aux lèvres. Et moi j'ai pas de CC donc. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Mais il est bien ou pas la note Tectonique Killer oh, Terrible, 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 terrible. Le tatouage tribal Il nous faut un tribal dans le bas du dos. Bien sûr, on va pas... Année 2000, euh, donc tatouage tribal, bien évidemment. Oh sérieux, terrible. Et bah, des bisous, à Théo. Merci d'avoir été là, merci d'être passé en tout cas. Voilà, c'est pas mal, non? Qu'est-ce qu'on en pense Il est bien. Il y avait aussi une mode, je crois, avec des. Il n'y avait pas eu un moment où c'était la mode d'avoir un appareil dentaire. Il est validé Vous donnez une petite note à mon tectonic killer. Là, maintenant, tout de suite. Est-ce qu'il est bien représentatif de l'époque Ou alors est-ce qu'il lui manque un truc Ça le fait, ça le fait 5 Ah, il manque quoi, Iblis Qu'est-ce qu'il manque Non, bien sûr que non. J'en ai eu un, on m'appelait Sourire d'enfer. Oh, terrible Est-ce que les jeunes tectoniques avaient l'âge d'avoir des bagues Ah, peut-être. Il est pas mal. Il est pas mal. Ils ajoutaient des élastiques flow sur leur pack. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est la mode où tu pouvais choisir les couleurs que tu avais euh, sur tes élastiques. Oh là là, je suis en train de voir des dingueries sur la mode de la tectonique là. N'importe quoi. Bref. Dans quel monde la mode de l'appareil dentaire Ou alors je suis trop vieux. Quand j'étais euh, en primaire collège, c'était grave une mode d'avoir un appareil dentaire. Hein. Il est pas mal. Hein est... Allez-vous, on va lui faire ses autres tenues à mon petit Tectonic Killer. Il y avait beaucoup de, de, de trucs avec des étoiles aussi. Malheureusement, on n'a pas ça. C'était très, ouais, étoile. Genre, là, je vois partout, ils avaient tous des, des tatouages avec des étoiles ou des trucs comme ça. Genre, je. Ah non, Oui, les virus. Je dire, avec le dessin animé, c'était pas vraiment vrai à l'horizon. Ah oui. Il est pas mal. Bon, alors là, du coup, il va falloir lui faire une autre coupe de cheveux. Là, je pense pas que maman, elle va le laisser être comme ça. Mais après, ça dépend. Genre, bon, après, de... c'est un peu intemporel, hein, quand même. Genre, au niveau des tenues habillées et tout. On va laisser comme il est, petit loulou. Les, viris, les virus et les longs pics. Ouais. Non, 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 non. Mais vraiment, genre, je te dis, les étoiles. C'était juste, c'est vraiment des, des vraies étoiles, tu vois. On un peu bien ambi... On va lui mettre une petite chemise, je pense. Mais il a le bal de promo après, donc il va pas venir en mode tectonique au bal de promo. Ça, je ne m'en souviens pas trop. Ah si, là, je vois, c'était les étoiles. Genre, euh, t as des étoiles partout là. Ce serait hilarant, il se pointe. Oh, On entend mon adolescence là. Ah là 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 là. Bah Imdé, dans ton adolescence, on s'habillait comment pour le bal de promo? <laughs> Est-ce qu'on s'habille en mode tectonic killer? <laughs> oh je sais pas comment on va, va l'habiller. On va pas lui mettre une chemise à carreaux, tu sais. Ou alors je pense qu'on peut utiliser genre grunge, retour du grunge ou alors euh, look goth, look gothique. Le truc du gothique là, style gothique, voilà. Ça peut être bien. Genre pour son bal de promo, il est habillé comme ça. <laughs> Quitte à choisir, tu vois. Ouais, techniquement, tu retires le manteau, ce qui est en dessous, ça fait un peu tectonique. Hein, donc ça passe. Hein. Ça passe. Après au niveau des chaussures, bah, toujours bien sûr les baskets les baskets montantes, les baskets flashy, hein, bien sûr, on n'oublie pas. On va essayer de les passer en... Voilà, en plus foncé. En noir, peut-être. <laughs> ça va tellement pas. Oh là 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 Mais quelle époque, les amis, quelle époque. Ah. Où ça Oh, ça, ça aurait été bien de mettre ça aussi. Non, mais ça, c'est bien. C'est pas mal, hein. Attendez, on va lui mettre... J'étais un peu un, un marginal à ce niveau-là et j'ai pas vraiment eu de balle de promo dans mon ado. Euh, mais bon, pour faire fait, les ados restaient habillés en mode flu... Habillé fluo, car boîte de nuit, TMTC... Ouais, mais là c'est le, pro... le balle de promo et ils vont pas venir habiller. <laughs> en tectonique, je pense. <laughs> oh là là, tenue pour le sport. Ah, oh, ça va être marrant ça aussi. Ah bah ils étaient tous comme ça pour le sport. C'était vraiment genre tectonique. Je sais pas quel basket que je vais mettre C'est pas assez bien ça Ouais on va mettre ça plutôt Voilà c'est pas mal ça Et là on va mettre bah, toujours l'imitaine hein, bien sûr L'imitaine c'est important Voilà Un, un bon tectonique killer là qu'on a fait <laughs> J'ai mal à chaque fois que je dis ce mot Écoute, en vrai, j'aurais euh, été plutôt choquée de voir un mec arriver en smoking qu'en tenue flou pour un bal de promo. Oui, bon. Hmm. On va faire ça comme ça. Hop, euh, pour le dodo, comment qu'on va le mettre bah, je, je pense que ça va être très classique, hein. Le petit jogging, je pense, pour dormir, ça peut être bien. Flu noir avec des étoiles. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et merci beaucoup, Mama Lefie, pour ton follow. Bienvenue à toi parmi les petits potes, assieds-toi confortablement. Oh là là, là 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 là, les amis, je vous ai mis une playlist. J'espère que vous, vous appréciez. Ou alors venez, je mets un costume, mais flashy. Genre un, un truc fluo, ouais, en costume. Elle est bonne. Coucou, merci, c'est gentil à toi, mais avec plaisir. Comment est-ce que tu vas Bienvenue. Bonne soirée à tous. Et eh bah, ben, bonne soirée à toi, Gaouna. Merci d'avoir été là ce soir. Des bisous, à la prochaine. Mal de promo égale grosse fête, donc Abier bois de nuit. On... Ouais, je pense. Ouais, mais danser un slow, tu sais, avec. Euh... Je sais pas. Oh, bah voilà. À la rigueur, on peut prendre ça. Ah, mais non, mais il est où le costume qui vient avec. Euh, la version de luxe Non, euh, contenu, pack, jeu de base. Oui, c'est ça. Ça ah, Je suis très bien toi Ça va bien, merci. T'as mangé quoi aujourd'hui, maman Et toi, Vava, t'as mangé quoi aujourd'hui J'ai peut-être pas vu ton message, tu m'as dit. Les gars, bah c'est bon, hein, j'ai trouvé. Hein. Voilà, on a un mix des deux. Non, bien sûr que non. Les sous, c'était pour les booms, pas pour les grosses fiestas peut-être des, des, des chaussures roses là en fait. Je crois pas que j'en ai. La musique elle est incroyable mais ça va très très bien avec l'époque. Hein. C'est dit grignotage. Ah putain, oui, je suis con, j'ai déjà oublié. désolé va pas. J'ai mangé des pâtes avec des saucisses. Ah, mais j'espère que tu t'es régalé. Trop bon. Grave chouette. Ah, mais en fait, il m'aurait fallu de baskets oh. Ah bah voilà. Que demande le peuple J'ai juste à poser la question. oh bah ça, sinon. Oh là 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 là, incroyable. Bon bah, c'est bon, les amis. Hein. C'est très bon. et eh, bah nickel, tant mieux alors. Ces pantoufles là ont l'air tellement cosy, j'ai trop envie d'avoir les mêmes. Genre, vraiment, ça a l'air tellement, euh, je sais pas, tellement confort. Je me mets sur les têtes, pas de souci, Et bah, euh... reviens-nous vite, <laughs> reviens-nous bien. Hop, voilà. Bon, par contre, je pense pas qu'il dorme avec cette coupe de cheveux. On va essayer de faire en sorte d'avoir, euh... ouais, je pense que ces cheveux ils vont tomber sur le côté. Peut-être ça, c'est pas assez long. Ah, ça, c'est pas mal. Oh, à mon avis, deux j'aurais été choqué d'entendre ou voir qu'un mec se pointe autrement qu'avec des beaux habits fous pour une fête. Bah regarde. C'est bon là. On est pas mal hein. Tectonic Killer mais prêt à danser avec sa chérie, tu vois. Pour aller tectonique Killer. Bon, une fête bien sûr, bon bah là on va s'habiller, euh, on va bien s'habiller là. Ah, oh, merci qui m'a fait un bisou. J'ai pas vu. C'est Noki, coucou Noki, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. T'as mangé quoi aujourd'hui mon petit Noki On met quoi les lunettes étoiles ou les lunettes euh, bang bang Dans ces tectonique petit bout. Eh, regarde, regarde bien ça, notre petite tectonique killer. Il est beau, hein Ça te replonge dans les années ou pas là Il est pas mal Une roue de la fortune pour Noki Allez, c'est parti, on va faire ça. Hop Zebardi je rappelle le principe de la roue de la fortune, soit vous obtenez un bonus, soit vous obtenez un malus. C'est parti Ah Alors je fais plus les pseudo-poèmes, maintenant je fais des dessins sur paint. Du coup, qu'est-ce que tu veux que je te dessine sur paint, Noki Que veux-tu que je te dessine sur paint Qui fait du tectonique. Non, 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 mais genre, tu me demandes de représenter un truc, pas juste, pas juste du dessin, genre en mode. De... C'est marrant si tu me demandes de faire une représentation. Si tu me demandes de faire moi, c'est pas possible. Faut que je puisse faire un vrai truc. Je ne saurais pas me représenter, donc ça va pas être possible. Je peux modifier ça Non, je peux pas. Putain, fais chier, c'est nul. Voilà, hop, je vais mettre comme ça. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te fasse Dis-moi tout. Déception, j'aurais jamais le droit à un poème avec mon pseudo. Je t'en ferai un si tu veux, il me dit. Dessine-moi un mouton. Oh là là, un vrai mouton. Alors attends. On va prendre lequel de mouton On va prendre cette référence-là parce que vraiment, on a l'impression qu'ils viennent en gang et qu'ils vont éclater. Allez, c'est parti. Allez, alors, un petit mouton. Mouton mort dans le désert. Ah, bon, on va faire ce mouton-là, mais mort dans le désert. Très bien. Allez, c'est parti. Euh, Est-ce que... Attends, juste... Je peux pas recadrer après. Genre... Euh... Ah, je peux faire pivoter. Ah bah voilà, parfait. Comme ça je vais pouvoir bien dessiner mon mouton. Nickel, allez, zouf. Alors, elle moutonne. Le petit prince a pris cher avec toi, Noki. Pourquoi Ah, ça vient du petit prince. J'ai pas la ref. On va faire un mouton alors. Ah, ça commence grave mal. Non, j'ai pas lu le petit prince. Tu fais quoi là euh, Là, euh, je suis en train de. Alors, on a eu la roue de la fortune. Et la, la roue de la fortune, c'est soit le viewer gagne un bonus, soit il gagne un malus. Et là, il a gagné un bonus, Noki. Donc, il m'a demandé de dessiner un mouton mort dans le désert. Donc, c'est ce que je fais. Voilà. Tu vas lire le petit prince tout de suite. D'accord, on va faire du stream. Woody <laughs> tu es Picasso. Me compare certainement pas à cette merde, s'il te plaît, Cam. Genre, vraiment pas. Je me compare certainement pas à ce gros connard. <laughs> Genre, vraiment. Là, je le prends très mal. Mais après, je retourne jouer aux Sims, vous inquiétez pas. Voilà. je vais me cacher. Non, non, mais parce que je rappelle que Picasso c'était un agresseur, donc non. <laughs> Clairement pas, non. On ne me compare pas à cette personne. Regardez comme il va être très beau, mon mouton. Vous êtes tous jaloux de mon super mouton d'abord. En vrai, non, mais dessiner sur Peine, c'est horrible parce qu'on a l'impression que je dessine pas bien. Bah non, il faut, je... faut pas que je fasse ça, du coup, je suis con. Je, fasse ça. je vais même lui faire une petite langue pour dire qu'il est décédé. En mode, la langue parce qu'il est mort. Voilà. On a l'impression qu'il saigne, mais c'est pas grave. Merde. Ah, ah, on peut supprimer en faisant clic droit. Je savais pas. <laughs> ah là là. <laughs> Ceci est un mouton. Je sens mal à l'aise. Ceci est un mouton. <laughs> voilà. Et là, on va faire un désert. Il est trop marrant ton mouton, il est surtout, <laughs> il est surtout vraiment clamsé pour le coup. Voilà, j'ai fait un peu de désert là, voilà, là, je fais un peu de sable. Je peux même faire un petit château. Voilà, on a l'impression que du coup il est mort à la plage. Oh, <laughs> petit mouton! Voilà. <laughs> oh non, attendez. Oh non, on voit pas bien du coup si je fais ça. Voilà. <laughs> Noki, est-ce que t'aimes bien ton mouton mort dans le sable, dans le désert là Tu veux que je te l'envoie Est-ce qu'il te plaît Le mouton de l'enfer. Allez hop, je te l'envoie. Hop Oh là là Je vais envoyer à Noki. Tiens, petit cadeau. Petit car-ado. Attends, il est Il est là. Voilà. <laughs> le mouton mort dans le désert. allez vous euh, Nous, on faisait notre tectonic killer. Hop, voilà. Pour la fête, bah bien sûr, on va remettre notre petit. Euh... Attends, il faut que je registre ça, ce qu'on a fait. Là. Ah bien, il faut que je le refasse du coup, parce que je l'ai pas enregistré. Bon, c'est pas grave. Ou alors, attends, il est où le maquillage Parfait. Ah, bah ça! Oh, mais non, c'est glace animal, c'est horrible! Je peux pas dire ça! Les gars! Les Oh, mais non, j'ai trouvé mieux que ça! J'ai trouvé mieux que ça! Pour le t-shirt! C'est bon, hein? Je vais le mettre dans une boîte maintenant et l'envoyer en montagne. Let's go! Bon, bah tant mieux si le mouton, il te plaît. Je trouve mieux que ça, voilà, hop! Voilà, là je mets des trucs bien fluos. Euh... Je peux pas mettre des trucs de clown. Oh ça, mais c'est parfait. Goody styliste. Goody euh... Technic Killer. <laughs> voilà, je peux faire ça. Il faut vraiment prendre un court très très court. Voilà, on va faire ça. Parce que regardez ce que j'ai en tête. Voilà. Regardez, hop, ça. Comme à l'époque. Nickel, c'est très stylé, hein. Comment oh, il s'habille bien mon Sims Attends, on va mettre ça. Ouais, c'est bon là. Hein. c'est pas mal non hein. Pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas lui mettre un petit un petit collier pendant là? Attends, je sais pas ce qu'on pourrait lui mettre. On peut faire ça sinon. Ah, c'est pas mal là. Hein. Ou je sais pas. Attends, peut-être ça. Ça, c'est bien aussi. Oui, mais ça fait pas assez picot en fait. Ouais, J'aime bien. Je vais vous laisser, je vais aller dormir. Si tu souhaite une bonne fin de stream, je repasserai une prochaine fois. Eh bah, bien, des gros bisous, maman. Merci en tout cas d'être passée. Des bisous à toi. À la prochaine. Hop. Euh, bon, tenue. Pour aller se baigner. Et bien, bah, la tenue de baignade, on va mettre bien sûr les mêmes, les mêmes, les mêmes accessoires, bien évidemment. C'est iconique. Et au niveau de, du maillot de bain, qu'est-ce qu'on va lui mettre On peut mettre ça ouais, ouais, on peut mettre ça, c'est pas mal. Ah oh, le petit dauphin. Allez, let's go, c'est parti. Non, voilà, bientôt des gros bisous. Merci d'être passé en tout cas. Attends, le maquillage. On va leur mettre du beau maquillage là, ça va être pas mal. Que je vais mettre bon, on va remettre ça hein, sinon. Ah, oui, ça on, ça on peut mettre. Ouais, 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 ça j'aime bien. Non, il me faut du, du rose. Ah, c'est pas du tout du ah, oh, c'est nickel. Ça c'est parfait. J'adore. Okay. Il est où l'autre euh, que j'avais On va remettre un débardeur cette fois-ci, je pense. Hein. Uh -huh. Où est le Il est là. Il est là, parfait. Hop. Ensuite, le pont à cour, bien sûr, on le remet. C'était le swag, bien évidemment. Ok, bon. Le grand collier, du coup, on va le remettre. Nickel. Oh, ça, c'est parfait. Ça fait vraiment preuve de sport. J'adore. C'est trop nul. <laughs> J'aime trop. Et maintenant, bon, bah, je pense qu'on va remettre à peu près la même tenue que pour. Euh... Si on va mettre la petite veste qui va bien. Hmm. Ok, attends. Ah, j'ai oublié les boucles d'oreilles qui, qui font un peu écarteur. Je suis, je suis très concentrée dans la création de ce personnage, vous remarquerez. Je m'applique <laughs> pour faire un putain le type qui danse la tectonique. Oh, c'est terrible. On a les priorités qu'on a. Parfait. Voilà, maintenant il me faut une petite veste. Peut-être en jean, un peu. La veste en jean, ça peut être bien. Oh, ça c'est parfait. C'est chouette, n'empêche ça sur Ouais, de ouf, ça change de de ce qu'on fait de base. Je vais remettre le vieux jean là, voilà, nickel. Tout délavé, tout pas beau et je vais mettre les grosses baskets. Attends, je suis en train de penser un truc. Là, on peut mettre ça, du coup. Hop. Voilà. Et là, je pense que j'ai mieux que ça. Au lieu de mettre ça, on va mettre des Vans. Parce que j'ai vu tout à l'heure sur les photos qu'ils mettait des Vans un petit peu quand il faisait chaud. Voilà, nickel. Ça, c'est pas beau, ça Il est beau, hein, notre petit technique Killer Le sens du style. Et voilà Il est beau, notre petit loulou Comment on le met On le met énergique, parce que c'est à l'époque. Hein. Est-ce qu'il a toujours ses dents Ou alors est-ce qu'il les a perdues en cours de route Il a plus ses dents Bon bah je pense que du coup je vais lui mettre un appareil dentaire pour justifier le fait qu'il a plus ses dents. Je pense. Hop. Nickel. Et bah faisons ça. Qu'est-ce qu'il est incroyable. Oh là là. Bah c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Nickel. Bah parfait, notre fils il est incroyable. Est-ce que je peux lui faire faire une danse big Block Je vais le mettre en mode gênant juste pour cette génération. Enfin genre en mode juste pour ça. Je vais mettre qu'il est gênant uniquement pour pouvoir faire la danse big Block. Parce que bah l'époque tu vois. Mais je lui retirerai une fois qu'il deviendra adulte. Enfin jeune adulte pardon. C'est dans quoi Mais je suis con ou quoi Je sais pas. Je sais pas lire. Process bon, perdu. Non non. Ah mais je peux pas le mettre Ah mais non mais je voulais le mettre en gênant moi. C'est positif. Non non, on va peut-être pas y... on va peut-être éviter. Ah, mais non! Bon, il aime la musique, ça je peux pas lui ajouter, je crois. Non, bon, c'est pas grave, il aime la musique, mais il est gênant. Je vais le mettre en gênant pour l'instant. Je vais noter. Niran. Remettre en. M. la. Musique. Voilà. Hop. Donc là, pour l'instant, je le mets en génois. J'aurais pu mettre machine à danser aussi, accessoirement. Mon Dieu, oh là, là là Je vais quand même te présenter mes excuses pour le message tout à l'heure. Franchement, je me sens vraiment idiote parfois d'écrire dinguerie. C'est pas mon genre de vision. T'inquiète pas, y a pas de soucis. Kam. Puis tu sais, y a des gens qui le savent pas, mais t'inquiète, tout va bien. C'est pas grave. Oh là là, qu'il est incroyable. Est-ce qu'il peut faire une danse Big Block J'attends qu'il fasse un bon move, que je puisse prendre une belle photo. Ah, je vais même peut-être aller dehors. Ah bah non, dehors, il, il fait nuit. Ça marche pas. Oh là là, qu'il est beau Incroyable notre fils. Hop, le bracelet ici, j'avais pas vu. Ouais ouais. <laughs> Allez ouf, parfait. C'est nickel. On a notre petite Tectonic Killer. Bon, ça n'empêche les gars qu'on a parlé. On a passé beaucoup de temps à parler au début de ce stream et on a peu joué, mais euh, je pense quand même que je vais vous laisser là parce qu'il se fait minuit. J'ai quand même de la traduction à faire, j'ai des petites choses à faire derrière. Euh, hop. Voilà. Et puis je commence un petit peu à faire. Euh, je vais pas vous mentir, je commence un petit peu à angoisser. J'ai un petit peu de stress, qui remonte là. Donc euh, écoutez. <laughs> ah merci Noki, je suis un artiste, c'est vrai. <laughs> voilà, voilà. Bon, j'espère quand même que ce petit stream vous a plu, même si c'était assez court et que j'ai pas beaucoup joué. Je commence vraiment à avoir le palpitant et tout, donc je préfère arrêter là. Voilà, c'est pas la peine, nous mettons pas dans des, dans des états non plus. C'est de votre faute en fait. Voilà, vous m'avez fait... fait paniquer tout à l'heure, vous m'avez fait chialer, maintenant vous... vous payez les conséquences. <laughs> voilà. Est-ce qu'on se fait un petit raid Elle est bonne. Il hein. n'y hum, bah, a personne à faire en raid pour le coup, moi, de mon côté. Ils sont tous partis dodo. Oh non, c'est au dernier. Au dernier euh, <laughs> à la dernière seconde, ils sont partis dodo. Bon. Bonne soirée, bonne nuit, tout le monde. Et eh bien, bah, des gros bisous, Baba. Merci d'avoir été là, en tout cas. Des bisous, Noki. Des bisous, tout le monde. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain à 18h pour du Disney de Dreamlight Valley. Merci Elle encore bonne, infiniment hein. pour ce stream qui est absolument incroyable. Je suis désolée d'arrêter aussitôt. Euh, voilà, là, j'en ai besoin. Donc, euh, écoutez, on se retrouve demain. Voilà. Promis, ça ira mieux demain. Des bisous à vous. Euh, je vous aime très très fort. Merci d'avoir choisi ce stream pour être là ce soir. Des bisous. Ciao ciao.